C'est parti! Salut! Salut à tous! Alors, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là. Il y a déjà 127 personnes, ça va super vite. Donc, live un peu spécial ce soir. Donc, live vraiment destiné à tous les... j'enlève les lunettes, il n'y aura pas le reflet comme ça. Tous les gens qui débutent en jardin-forêt, tous les gens qui ont des questions un peu classiques. Live un peu spécial puisque c'est la première fois que sur ma chaîne, je fais un live pas tout seul. Vous commencez à voir les têtes qui apparaissent. Bon, là, on voit ça, on voit Antoine. Salut, il y a salut. Sam qui va animer derrière, hein. Il y a Kevin qui sera là aussi dans le chat. Donc, je vais dans quelques secondes passer le relais à Sam. S'il y a quelques modérateurs qui sont là. Alors, pour les modérateurs, merci d'être là, c'est cool. Vous pouvez faire comme d'habitude, faire le tri un peu s'il y a des méchants commentaires, voilà, calmez les méchants. S'il y a des questions intéressantes, vous pouvez les refaire repasser et on a du monde derrière qui va lire un petit peu le chat. Toujours rappel pour ceux qui sont là, vous pouvez essayer de poser les questions plutôt en majuscules, comme ça, moi c'est plus facile, enfin, ou ceux qui lisent. Nous on a l'habitude sur les lives du Jardin des Merveilles de faire en sorte que les gens posent les questions à nous en majuscules, ce qui leur permet de discuter entre eux en minuscules et comme ça on peut faire le tri. Bon, on va voir si ça tient. C'est pas obligé, non. Il y a quand même des gens qui vont lire derrière et qui seront pas occupés à faire du blabla comme moi devant la caméra. Et voilà. Et donc là, live très spécial puisque là, pour le coup, c'est pas du tout moi qui vais animer. Moi, j'interviendrai avec Antoine et c'est Samuel qui va animer. Donc, vas-y, Sam, si t'es chaud, je te passe le relais. Yes. Ben bonsoir, bonsoir à chacune et à chacun. Bienvenue du coup dans cette soirée co-organisée, co-animée entre l'équipe des alvéoles et puis Rémi. Merci à toi Rémi de nous accueillir sur ta chaîne. C'est la première fois qu'on vient sur sur la chaîne du Jardin des Merveilles. Et c'est, je crois que c'est une première aussi un peu pour toi. Ouais. Là, je maîtrise pas du tout l'outil. Là, j'ai 3 écrans sur mon écran. J'espère que je vais pas trop m'embrouiller, mais ouais, c'est cool. C'est vraiment cool de faire ça. Je suis content de faire ça avec vous. Cool. Bah, on est super content d'être là et puis de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des soucis techniques, si vous avez des difficultés. Voilà, il y a Kevin qui est là, qu'on salue, que vous verrez pas à l'écran, mais qui est en backup sur tous les aspects technique. Et puis bah voilà, peut-être en deux mots pour celles et ceux parmi vous qui me connaissent pas. Donc je m'appelle Samuel Bonvoisin, je suis ingénieur agronome, je suis formateur, consultant et puis je fais plein d'autres trucs dans l'équipe des alvéoles. Et c'est moi qui vais du coup animer cette soirée avec nos deux invités de marque, avec Antoine et avec Rémi. Peut-être déjà pour commencer, ce qu'on peut faire et qui peut être aussi une bonne manière de vous approprier un petit peu cette soirée, si vous avez pas l'habitude d'être dans des lives comme ça sur YouTube, ou alors habituellement nous aux Alvéoles on utilise beaucoup Zoom, mais c'est un peu le même principe. N'hésitez pas à utiliser le chat, peut-être simplement déjà pour nous dire d'où vous parlez, d'où vous êtes, voilà. Ce soir, il y a Riru Kakiku qui est du Valais en Suisse, et il y a deux personnes, et Juliette aussi qui est de Suisse. François, voilà, la pépinière des alvéoles, qui est là aussi. Salut François. Salut François. Il y a Myriam des Pyrénées-Orientales, Christine de Besançon, évidemment, Juliette du Puy-de-Dôme, voilà, donc de Russie, on a quelqu'un de Lucie, du Loir-et-Cher, du Tarn, bah oui, évidemment, de l'Aude, génial. Bon, bah c'est chouette, voilà, il y a plein de régions, c'est trop chouette de voir d'où vous venez. Voilà, bah donc on voilà une bonne manière de lancer notre petite séquence ensemble.
Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Bah, ce soir, on va parler de jardin-forêt. On va plutôt reprendre le jardin-forêt par le menu, par le début, par les questions que vous avez, Antoine et Rémi, régulièrement et auxquelles vous devez régulièrement répondre. Voilà, c'est une manière de poser un petit peu ces sujets-là, d'essayer de continuer à diffuser cette pratique, ce concept, toutes ces techniques, etc., autour du jardin-forêt. On va passer du temps à essayer de reposer tranquillement, tranquillement ses bases. L'idée de ce soir, c'est de vous donner envie de vous lancer, de vous donner un élan, de vous permettre peut-être de pouvoir commencer à vous projeter un petit peu dans cette idée du jardin-forêt, de gagner aussi un peu en autonomie, de commencer à avoir un peu quelques idées sur comment vous pourriez vous lancer, peut-être de vous faire gagner un petit peu de temps. Pour nous, le jardin-forêt, c'est une passion, ça fait vraiment partie des objets avec lesquels on passe. On passe du temps à travailler sur ces sujets, à expérimenter. Et puis on est avec Antoine et Rémi. Donc là, c'est parmi la crème de la crème, le must du must, des personnes qui travaillent sur ces sujets. Ouais, ils aiment pas C'est trop. adorable. Ils aiment pas trop comme ça que je leur serve un peu le. On va surtout essayer d'être les rois des erreurs, surtout. Les rois des erreurs, voilà. Ils ont On va fait. essayer de Ils ont partager fait. un peu toutes les erreurs qu'on a pu faire là. Ah, ça, on pourrait faire un battle, ouais. Voilà, Et voilà. ils ont fait toutes les erreurs possibles et imaginables, et du coup, ils vont pouvoir vous partager leur expérience. Ouais, j'en fais des nouvelles encore tous les ans. Ah, ok, Hein. bon. Il faut Voilà. innover un peu de temps en temps. C'est C'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, donc ils vont répondre à vos questions parce que voilà, on va avoir toute la deuxième partie. En fait, la soirée va se passer grosso modo un peu en deux temps. Première partie de soirée, ils vont prendre le temps de passer par les questions les plus fréquentes sur le jardin-forêt, histoire d'apporter alors peut-être la même réponse, peut-être sur certaines questions, ils auront une approche légèrement différente. Ça qui va être intéressant aussi. On va essayer de faire vivre une sorte de petite battle entre les deux. Voilà, parce qu'on aime bien se challenger aussi un peu comme ça. Et puis c'est pas monolithique, hein. Le jardin-forêt, on le construit, on l'imagine. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui sont à découvrir autour de ça. Et donc c'est intéressant d'avoir aussi leur regard à tous les deux. Et puis dans la deuxième partie de la soirée, on prendra une heure, une petite heure pour répondre à toutes les questions que vous avez. Donc n'hésitez pas. Même à poser vos questions directement dans le chat. Il y a Kevin qui relève les questions et puis qui va les présenter ensuite dans un deuxième temps pour que Antoine et Rémi puissent y répondre. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et puis si vous voyez qu'on a zappé votre question, voilà, n'hésitez pas à la reposter un peu plus tard sans la reposter non plus 50 fois. Mais voilà, histoire qu'on vous oublie pas. Juste, je Voilà. me permets un tout petit Vas-y, mot. vas-y, Alors, vas-y. j'en profite pour dire bonjour à mes modérateurs qui arrivent. Salut Eric, salut Greg. Greg, il est très bon, lui, pour faire repasser les questions s'il y a des questions qu'on rate. Il est très, très bon aussi pour faire passer des liens. Là, il fait tourner des liens pour les cartes des jardins-forêts de France. Donc, allez voir où il y a des jardins-forêts autour de chez vous aussi. Ça peut être intéressant. C'est un bon moyen d'apprendre, d'aller voir ce qui Super. se fait déjà. Alors je vois les questions de d'Albert 910 qui dit question de base, y a-t-il une surface minimale pour un jardin-forêt? Et anonyme, bien vu. Comment démarrer avec peu de budget? Bah, vous tombez pile poil tous les deux puisque ça fait partie des questions qu'on va aborder ce soir, on va prendre le temps. Donc là c'est parfait, c'est génial. Vous verrez que les questions que vous posez, c'est quand même ces deux questions-là, c'est typique, c'est vraiment toujours, on a fait une liste de cinq questions très classiques et autant Antoine que moi, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc ce soir, on va répondre à toutes les questions, toutes les premières questions que vous posez en tout cas. Ouais, on s'est vraiment posé, et puis il y a des questions, il y en a plein, mais on s'est aussi posé la question. C'est quoi les questions qui peuvent être des freins? En fait, moi, je croise plein de gens qui disent, mais c'est super bien le jardin-forêt, c'est génial ce que vous faites, voilà. Et pourtant, qui passent pas forcément à l'action, que ça fait des années qu'ils réfléchissent à ça. Et là, on s'est posé la question, mais en fait, c'est quoi les questions de base qui peuvent ralentir le passage à l'action, qui peuvent faire qu'on a des doutes, voilà. Est-ce que c'est fait pour moi le jardin-forêt? Enfin, là, l'idée ce soir, c'est vraiment de regarder un petit peu ce qui peut vous attendre si vous avez envie d'aller vers un jardin forêt.
Yes. Alors, je réponds tout de suite à des questions techniques. Il y a Optimundi qui demande: bonsoir, peut-on inviter qui on veut à nous rejoindre? Oui, évidemment. N'hésite pas, tu peux copier-coller tout simplement le lien dans l'URL là, dans ton navigateur, le partager à tout ton carnet d'adresses. Tout le monde peut arriver. Cette soirée, elle est tout à fait ouverte à toutes et à tous. Donc voilà. Et Flapati dans la foulée qui demande: est-ce que cette conférence sera disponible en rediffusion? Eh bien oui, elle sera en rediffusion à la fois bah, sur là où vous êtes sur la chaîne de Rémi, sur la chaîne du Jardin des Merveilles, et aussi sur la Permathèque des Alvéoles. Donc voilà, sur les deux sites, vous pourrez retrouver cette conférence dans les prochains jours. Voilà, donc Peut-être, vas-y, tant qu'on vas-y. est au début, on peut préciser maintenant à tous ceux qui arrivent pas à l'heure de cliquer sur le bouton direct en bas de la vidéo pour rejoindre le direct. Parce que Ouais. si vous arrivez à la bourre mais que vous la regardez du début, vous ne l'avez pas en direct. Tout à fait, bien Et vu. vous aurez des commentaires qui ne seront pas calés. Bien vu. Vous allez poser vos questions à retardement alors qu'on sera déjà plus, on sera déjà parti se Voilà. coucher. Si ça se trouve, ce qu'on est en train de dire, on l'a déjà dit il y a 1 heure en fait. Si ça se trouve, ce qu'on a déjà dit. Ah non, si je répète, Au après moment où vous on est tous l'entendez. perdus. Bon, voilà. Allez, alors qu'est-ce qui va se passer ce soir? Il va se passer plein de choses. Antoine et Rémi vous ont préparé aussi une petite présentation qui va être diffusée, enfin qu'on va vous diffuser en direct. On a fait une version en PDF de cette présentation. Il y a Kevin qui est aux manettes, qui va vous partager un lien pour que vous puissiez télécharger cette présentation au format PDF. Comme ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête de prendre des notes, etc. Tout ce que vous verrez dans la présentation, bah, vous l'aurez directement, vous pourrez l'utiliser. Donc n'hésitez pas à le télécharger pour pouvoir en profiter à tête reposée et reprendre ça tranquillement. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, on va pendant cette soirée, il va y avoir plusieurs moments où on va vous parler voilà, de choses qu'on, bah, disons, d'outils, de manière pour faciliter des choses qu'on a créées pour faciliter la vie des personnes qui veulent créer un jardin forêt. Entre le temps de présentation et le temps des questions, il y aura notamment un moment où on va vous présenter une formation en ligne qu'on a conçue, que Rémi sur laquelle Rémi est venu s'ajouter pour apporter des nouveaux contenus, etc. Il vous racontera ça. Et puis, il va y avoir un cycle d'accompagnement qui va démarrer en fait bientôt, là, dans la foulée de ce soir, avec Rémi. Donc, on vous parlera de ça aussi. Et puis, on vous partagera aussi des outils gratuits en libre accès. Et donc, voilà, un peu plus dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes, pendant la présentation, vous verrez, à un moment donné, on vous partagera ça. Et on vous partagera les liens pour que vous puissiez accéder à ces outils. Alors ceux qui nous connaissent déjà, les gens qui sont abonnés à la Permathèque des Alvéoles, bah, vous n'allez peut-être pas découvrir des nouvelles choses parce que c'est des outils que vous connaissez et que peut-être même vous utilisez déjà pour avancer dans le design de votre jardin forêt. Mais pour toutes celles et ceux qui nous découvrent, qui connaissent pas encore ces outillages-là, et ben vous aurez accès à tout ça. Voilà, j'ai fini sur petit temps d'intro. Peut-être vous présenter en deux mots. Donc, bah, Rémi, on est sur sa chaîne, donc la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Voilà, ça fait 10 ans que tu t'es pépiniériste, que tu as expérimenté beaucoup autour du jardin 15. forêt. 15! Ouais, j'étais en dessous de. Oui, on rajeunit J'étais en pas. dessous. Je te fais quand même la promo parce que la grosse actualité de Rémi cette année, bah, c'est quand même le livre, le guide Terre vivante du jardin forêt. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, voilà, il est parti le chercher. Je suis pas du tout préparé. T'es pas du tout préparé, voilà. Donc le guide Terre vivante du jardin forêt. Et puis voilà, tu le remontres, parfait, pour que tout le monde le voit bien. Super. Et puis Antoine, bah, tu es paysagiste, voilà, architecte paysagiste, tu as fondé les alvéoles il y a une dizaine d'années, donc tu occupes ton temps entre la formation, bon, Rémi aussi fait de la formation, hein, voilà, l'aspect bureau d'études, et puis l'aspect pépinière aussi avec François aux alvéoles. Et puis tu as sorti aussi un livre sur, voilà, qui s'appelle Forêt comestible et fruitière, voilà, et donc Il est derrière pour voilà, l'occasion. il est derrière, voilà, donc comme ça vous savez tout sur nos deux experts du soir, voilà. Et puis après il y aura une battle, vous nous direz ce que vous avez, si vous avez déjà lu le livre de l'un de l'autre ou des deux, ce que vous avez aimé dans leurs ouvrages. Vous n'avez pas aimé aussi, pourquoi pas? Est-ce que vous n'avez pas aimé aussi, mais pas trop Non, fort.
S'il y a des morceaux qui vous ont pas plu, on les supprimera pour la prochaine. Ah ouais, d'accord, pour la prochaine réédition. Je suis pas Ça sûr. fera de la place pour d'autres choses. Ok. Bon, allez, je vais vous passer tranquillement la main. Je pense que Antoine, tu as la main sur le lancement de la présentation de Ok. ton côté. Super. Tac, tac, tac. Ça Voilà, marche. c'est quand On est tu veux. parti. Et Bah ouais. comme pour ceux qui nous ont rejoints, là, comme annoncé, on a sélectionné donc 5 questions de base qui reviennent souvent. Et puis ça sera un support pour après répondre à vos questions qui vont vous venir un petit peu, histoire de stimuler un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est parti pour un petit tour. Alors attendez voir comment je partage ça. C'est parti. Hop, présenter. Et présenter. Maintenant. Voilà. Alors là, peut-être qu'une des premières questions quand on rencontre des gens qui découvrent le jardin forêt, c'est pourquoi un jardin forêt ou même qu'est-ce que c'est qu'un jardin forêt? Ça serait vraiment pour l'histoire de remettre tout le monde un petit peu sur le même niveau de lecture. Jardin forêt, il y a des gens qui viennent me voir, ils comprennent rien, mais c'est quoi ce truc de jardin forêt? Est-ce qu'on peut faire un jardin dans une forêt? Et là, moi j'aime bien dire tout de suite, je sais pas ce que tu dis toi Rémi, mais moi j'aime bien dire tout de suite, c'est on s'en fout des mots, juste imaginez un jardin multi-étagé, plein d'étages de végétation différentes, un maximum de plantes, c'est ça le but. Après vous pouvez l'appeler comme vous voulez, et on s'en fout en fait, en vrai, le but du jeu c'est juste de faire pousser un maximum de plantes ensemble. Et alors pourquoi on essaye d'en mettre un maximum ensemble? Ben, là, je vous ai listé deux, trois petits mots, mais pour moi, la première des raisons, le premier enjeu, c'est de recréer du sol. Je ne sais pas si tu es d'accord, Rémi, mais recréer du Ah sol. ben ouais. On est un peu sur le même genre de terrain, très très sec, très très caillouteux, j'ai pas beaucoup de terre, donc c'est ouais. Et le jardin forêt, c'est un bon moyen pour remettre de la matière organique, remettre de la vie dans le sol. Si on recrée du sol, c'est aussi pour participer à restaurer le cycle de l'eau, ramener de l'humidité, ramener du microclimat. Ça, c'est vraiment, c'est les systèmes qui sont les plus efficaces pour ça, pour conserver l'eau, pour la régénérer sur place, faire plusieurs cycles de végétation. Donc là, c'est plusieurs cycles d'hydratation du paysage. Puis surtout, je crois qu'un truc qui nous rapproche, Rémi, c'est la diversité. Et Ouais, là, c'est ce que j'allais rajouter après, ouais. De tous ces trucs, ça fera tout ça et chacun va trouver sa priorité, moi, mon truc prioritaire. J'ai grandi en Afrique, un endroit où il y avait des bestioles de partout, ça grouillait de vie. Et la biodiversité, c'est vraiment ça qui m'attire. Après, oui, c'est sûr que c'est bien de ramener de l'eau, c'est bien d'aggrader le sol et produire de la nourriture, c'est presque ma deuxième priorité. Mais la biodiversité, ouais, c'est génial. Et on se rend compte que c'est presque infini la quantité de vie qu'on peut ramener sur un même endroit. Moi, ça a complètement, je continue à me surprendre d'année en année. Chaque fois, je pense que j'ai planté trop dense et en fait, on peut faire toujours plus dense. Et là, on voit l'image qui est ici. Là, on voit différentes strates de végétation là dans une petite clairière d'un jardin forêt qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré au démarrage, celui d'Irène Keitley qui nous a quittés l'année dernière. Et qui pour moi était vraiment un exemple de diversité comestible pour tout le monde. Et voilà, beaucoup de générosité. Et là, voilà, on a un petit peu ces différentes strates de végétation qui sont devant nous, avec des plantes qui sont couvre-sol, hautes et moyennement hautes, des arbustes, des arbres au fond, de l'ombre, de la lumière, de la fraîcheur, des cornichons par-dessus tout ça, histoire que ça part vraiment en vrille. Et voilà, il y en a vraiment de tous les côtés. Ça se ressème dans tous les sens. Et pour moi, c'est ça, un jardin forêt. C'est un endroit qui vit à fond. Je crois qu'on en a tous les deux fait les frais, hein, Rémi. Un jardin sans arrosage, sans eau, eh ben, ça prend 2 à 3 fois plus de temps qu'on peut espérer. Ça C'est finit ça. par pousser, mais c'est vraiment lent. Moi, en me lançant, je voulais pas regarder ça. J'ai eu un bout de, on m'a mis à disposition un bout de terrain sans eau, sans arrosage, et puis j'ai voulu entendre ce que je voulais entendre, c'est-à-dire que on pouvait faire un jardin sans eau. Et j'ai vite compris qu'on peut, mais que c'est vraiment compliqué. Donc voilà, la base, c'est de l'eau. Avec de l'eau, on peut créer du sol. Avec de l'eau, on peut faire plein de choses. Donc si vous avez le choix, voilà, entre plusieurs terrains ou plusieurs aspects, choisissez l'eau. Ouais, moi aujourd'hui avec du recul, je me dis c'est vraiment le facteur où
Tableau, tout peut fonctionner. Il y a des endroits où il n'y a quasiment pas de sol. Il y a beaucoup de forêts tropicales, équatoriales, où il n'y a quasiment pas de sol. Mais par contre, il y a tellement de pluie qu'il y a des forêts immenses qui peuvent pousser. Et là, c'est vrai qu'ici en France, si vous n'avez pas beaucoup de terre, si c'est un peu sec et qu'il n'y a pas de ressources en eau, ça sera possible quand même. Hein. La preuve, hein, moi, j'ai réussi, Antoine a réussi. C'est quand même possible, mais il va vraiment falloir beaucoup bosser sur le design pour réussir à rassembler, récupérer, stocker de l'eau. Et ça poussera forcément moins vite. Ça marchera quand même, mais ça sera un gros, gros facteur limitant. Le sol aussi, on peut enrichir le sol, mais quand il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de sol, ça c'est compliqué. Donc si vous avez des zones de votre terrain où vous avez accès à un terrain où il y a très peu de profondeur de sol, des fois il y a des grands arbres qui arrivent à pousser sur des dalles calcaires. Voilà, des fois nous on a certaines parties du terrain où on a 30 cm de sol, même parfois moins. Et ben ça aussi, ça va être beaucoup plus compliqué parce que bah, l'étagement des racines va se faire tout sur la même couche et c'est voilà il va pas y avoir l'effet de la pompe hydrique avec certaines plantes qui vont pouvoir remonter l'humidité et les minéraux. Ça, pour moi, c'est quand même c'est quand même quelque chose de compliqué pour faire un beau jardin forêt. Pensez à regarder la profondeur du sol. Il y a une question qui est intéressante là dans le chat, c'est pour les gens qui ont trop d'eau. Ah ouais. Et alors, moi, j'ai pas beaucoup de recul, j'ai pas d'expérience là-dessus, mais j'aimerais tellement avoir ce problème-là. Parce qu'avoir trop d'eau, il y a moyen de faire des buttes, de surélever des zones. Alors, c'est dommage. À une époque, je conseillais, mais aujourd'hui, je conseille plus ça. J'ai pas envie d'avoir de zadistes chez moi, de drainer, de faire en sorte d'assécher certaines zones. Si vous avez des zones humides, cultiver des plantes de zone humide, et il y en a plein qui marchent très bien sur des zones humides. Il y a moyen de planter des saules, des peupliers, des plantes qui supportent l'humidité et qui vont assécher petit à petit la zone, mais naturellement, c'est juste les racines qui vont pomper un peu d'eau et qui vont permettre de cultiver d'autres choses à côté. Et puis, à moins que vous ayez une zone où il y a que de l'humidité partout, bon, mais là, il faudra s'adapter. Hein. De toute façon, c'est toujours un peu la base, on s'adapte à ce qu'on a. Mais avoir trop d'eau, il y a moyen de jongler un petit peu. Par contre, pas avoir d'eau du tout, c'est un peu plus problématique. Trop d'eau, on arrive à trouver des plantes qui régulent, qui drainent, on peut toujours faire avec, on peut faire de la matière organique. Donc le trop d'eau, voilà, c'est clair que c'est bon. Le vent aussi, ça peut être compliqué, un peu moins. C'est plus facile de se couper du vent, mais ça demande de l'énergie. Donc pareil, si vous avez le choix, commencez dans des endroits qui sont protégés du vent. Si vous avez naturellement des brise-vents, bah, c'est des années de gagner. Et c'est surtout beaucoup, beaucoup d'eau économisée aussi. Donc ça, moi aussi, j'en ai fait les frais. Voilà, c'est 2 fois plus d'eau pour 2 fois moins de croissance quand on est en plein mistral, là, comme chez nous. Et ça prend du temps avant de s'en protéger vraiment. Et puis voilà, la lumière aussi, il y a des gens qui viennent nous voir avec des terrains complètement à l'ombre des arbres. Bah, préparez-vous à créer des puits de lumière. Voilà, on le redit souvent, mais il va falloir faire des clairières. Et voilà, donc ça, c'est un facteur limitant qu'on peut surmonter. Mais voilà, il vaut mieux prévoir d'avoir suffisamment de lumière. Ça, c'est un des critères. Si vous avez des pentes exposées nord et que vous n'avez pas assez de lumière parce que vous êtes mal exposé, là, c'est un des rares contextes où on ne peut pas changer grand-chose. Par contre, il y a toujours moyen de s'adapter et cultiver des plantes qui sont adaptées à ces ensoleillements-là. Ouais, carrément. Et ben là, du coup, ben voilà, pas de terrain parfait. C'est dur d'avoir le terrain avec de l'eau, du sol profond, pas de vent, plein soleil, etc. Et la bonne nouvelle, c'est que le jardin forêt, à mon sens, je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi, mais pour moi, c'est aussi un moyen de créer des conditions, favorables. Donc, si vous n'avez pas un terrain parfait, et ben, raison de plus de faire un jardin forêt. Voilà, il faut juste se préparer à ce que ce soit un peu plus compliqué, mais c'est peut-être même par les endroits compliqués qu'il faudrait commencer pour vraiment régénérer le terrain. Il y a la photo qui est ici. Ouais, tu voulais dire un truc, Rémi? Non, il y a beaucoup de terres agricoles qui sont très fertiles, très sympas, qui ne sont pas forcément disponibles. Par contre, des terrains qui ne sont pas vraiment propices aux cultures, ça, de disponible, il y en a plein. C'est beaucoup plus facile d'accéder à ce genre de terrain. Et effectivement, par le côté jardin-forêt, par le côté aggradation du sol, on va pouvoir cultiver des choses petit à petit qu'on ne pouvait pas forcément cultiver au début. Moi, j'ai vraiment l'exemple typique. Une plante, j'ai un exemple sur une plante de l'olière terrestre que j'ai voulu cultiver en arrivant chez moi. Terrain chaud, sec, trop ensoleillé, ça ne marchait pas. J'ai abandonné.
J'ai les arbres qui ont commencé à pousser, et puis maintenant j'ai des zones où j'ai du lierre terrestre qui est arrivé tout seul, sans que je le plante, sans que je le sème, qui est arrivé tout seul, qui pousse partout, parce que le terrain a évolué. Donc il y a vraiment moyen de faut pas désespérer, il y a vraiment moyen d'aggrader, d'améliorer les choses grâce aux arbres. Ouais, carrément. Et là, pour moi, y a plein de projets qui commencent à vraiment montrer que c'est, bah, que ça marche, ce qu'on raconte là. Et ça, c'est un des projets, la photo qu'il y a ici, c'est un des projets, moi, qui m'a beaucoup inspiré, que j'ai suivi depuis, bah, depuis une dizaine d'années. On est à l'écocentre du Bouchot, en Sologne. Et c'est une ferme qui a démarré. Y avait rien autour de la ferme, enfin des champs dans une terre très sableuse, très drainante. Alors ils ont un peu d'eau quand même, un peu plus que nous dans le sud, mais voilà, des terrains qui étaient vraiment pauvres, appauvris par la culture, compactés par des chevaux. Et là, bah, c'est ce qu'ils ont réussi à, on voit d'en haut ce qu'ils ont réussi à faire à partir de vraiment pas grand-chose. Et ce que j'aime beaucoup dans cet exemple-là, c'est qu'ils sont partis du centre. Ils ont commencé dans le centre, entre les bâtiments. Vous voyez ce petit bosquet-là? Ben là, on a un petit bosquet et c'est le premier bosquet de jardin-forêt qu'ils ont cultivé. Et ils se sont fait la main. Ils ont commencé petit. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va insister aussi. Avant de commencer à faire cette partie-là, le Nelson Mandala, qui a un premier mandala sur environ 3000 mètres carrés. Ça commence déjà à être une belle surface, mais ils ne se sont pas attaqués à tout le terrain. Ils se sont concentrés vraiment sur une zone et ils ont commencé par faire tout le pourtour, à créer un microclimat favorable. Et puis, quand celui-là a été installé, qu'ils avaient beaucoup moins d'attention à y porter parce que tous les arbres étaient là, que les plantes, que les couvre-sols se sont bien installés. Eh ben, ils sont passés de l'autre côté et là, ils ont fait encore plus grand sur 5000 mètres carrés. Donc, c'est vraiment progressif et on a ici vraiment de l'exemple que ben, qu'on peut y aller qu'on peut faire ça sur plein de surfaces différentes possibles. Alors ça, c'est une autre question qu'on nous pose souvent et qu'on a posée là en début de soirée. Quelle surface pour faire un jardin forêt? Ah, Rémi, t'as une idée, toi? Moi, j'ai toujours la même réponse. Je donne pas de chiffres. Moi, je dis ça dépend. Mais ça dépend vraiment quel écosystème, qu'est-ce qu'on veut recréer. Ça dépend qu'est-ce qu'on va avoir comme production. Mais après, des chiffres, j'en ai vu. Le plus petit jardin forêt que j'ai vu, il est sur 70, 75 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et déjà sur ça, comme surface, c'est énorme tout ce qu'il y a qui est cultivé. Un autre qui est C'est pour moi, c'est le plus petit grand jardin forêt que j'ai vu, c'est le jardin forêt des fraternités ouvrières, le jardin des fraternités ouvrières, qui fait presque 1800, je crois, 1000 mètres carrés, 1800 mètres carrés. Il y a quasiment 2000 arbres, ou peut-être plus que ça, à une époque, il y avait. C'est très, très dense, et c'est un tout petit jardin dans lequel on peut se perdre. Donc, il n'y a pas vraiment de surface minimum, je dirais, quelques dizaines de mètres carrés, déjà, on peut avoir quelque chose. On peut aller encore un peu en dessous. Il y a des gens qui font des jungles sur des balcons. Moi, pour moi, la limite, elle se situe quand même au niveau du sol. Si on n'a pas un minimum de sol, on ne fera pas un jardin forêt. Sur un balcon, on va pouvoir créer des interactions entre les plantes, mais il n'y aura pas les interactions au niveau des racines, au niveau du sol, au niveau des champignons. Donc, voilà, ouais, sur un petit balcon, ça passera pas. Mais quelques dizaines de mètres carrés, 50 mètres carrés, on peut déjà commencer. 100 mètres carrés, on commence à faire quelque chose d'intéressant. 1000 mètres carrés, on s'éclate. 10 000 mètres carrés, on s'épuise. Alors, il y a une question de Rémi dans le chat qui demande est-ce que, y a une taille maximale quand on est seul, quand pour voilà. Ça, Ben c'est ouais, intéressant. moi je bah alors je vais dire un peu comme Rémi, ça dépend de ce qu'on en attend, parce que si on veut faire une jungle à moitié sauvage, voilà, mais ça se passera bien sans nous. Mais pour pouvoir vraiment accompagner le jardin et être présent un peu sur tout le jardin, pour moi, de mon expérience, 5000 mètres carrés, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, c'est grand. Et quelle que soit la taille de votre jardin, moi je vous invite vraiment à le séquencer, à faire des cellules pour que ça soit à taille humaine. Parce que voilà, ça peut être très décourageant de cultiver quelque chose d'énorme dans lequel on se perd.
Pour moi, une surface de base, c'est environ 100 mètres carrés. Vous voyez, les cercles qui sont ici, là, on est chez nous, le premier jardin forêt qu'on a créé. Les cercles qui sont ici, ils font à peu près 100 mètres carrés. Et pour moi, c'est un peu une unité de base qu'après, on peut dupliquer. Là, après, on l'a dupliqué sur 3000 mètres carrés. On peut en faire un, puis deux, puis trois, puis quatre. Déjà, quand on a 500 mètres carrés, on a de quoi s'occuper largement et on peut y passer déjà la moitié de son temps si on veut faire ça bien. 1000 mètres carrés, ça peut occuper une personne comme il faut. Mais le problème, c'est que voilà, on peut vite se perdre, se désorganiser. Ici, ces cellules-là de 100 mètres carrés, ça permet vraiment de se dire, OK, là, ce matin, je viens passer 2 heures sur 100 mètres carrés et j'ai l'impression à la fin d'avoir fait quelque chose. J'ai l'impression d'avoir avancé concrètement. Et voilà, par exemple, dans du désherbage pour aider des plantes à s'installer, dans de la taille, dans de la récolte. Ici, on a organisé les différents cercles en fonction des dates de récolte, par exemple. Donc, ça évolue en fonction des saisons. Et ça nous permet de passer plus de temps sur les premiers cercles en début de saison et puis plus en fin de saison au fond du jardin. Donc voilà, pensez à différents modules. Comme Rémi, moi je dis trop grand, on s'épuise. Et voilà, vraiment attention, entre 1000 et 5000 mètres carrés, il faut déjà être bien disponible, bien aguerri. Et au-delà de 5000 mètres carrés, il faut vraiment plein de copains, un bon collectif ou plein de gens à nourrir, quoi. Ben, moi, le mien fait 7000 mètres carrés. Après, faut à partir d'une certaine surface, au-delà des 5000 mètres carrés, peut-être même moins, il y a des zones qui seront beaucoup moins entretenues, voire des zones qui ne seront pas entretenues du tout. Moi, je dirais que ça fait quand même partie du jeu d'avoir des zones qu'on laisse un petit peu s'ensauvager pour que ça marche tout seul, pour qu'il y ait de la biodiversité, qu'ils soient vraiment à l'aise dans ces zones-là. On n'est pas obligé de tout entretenir. Il y a des zones qui vont être très entretenues, sur lesquelles on va produire du légume, sur lesquelles on va tailler les arbres pour faire du fruit. Et puis, il peut y avoir des zones qu'on laisse aller librement. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est presque autonome. Une fois que tout est en place, que toutes les strates sont bien en place, ça va tourner tout seul. Il y a une forêt est-ce qu'on peut appeler ça jardin-forêt? L'Amazonie, il y a des gens qui se sont aperçus que l'Amazonie, les arbres avaient été plantés à l'origine. Il y avait des cultures de cacao, il y avait des cultures de plantes nourricières. Aujourd'hui, il y a beaucoup de zones qui sont redevenues sauvages, mais qui à l'origine ont été plantées. Est-ce qu'on peut continuer à appeler ça un jardin-forêt? Auquel cas, on pourrait avoir un jardin de 10 hectares, 20 hectares, le gérer tout seul. Juste une petite partie, on va s'en occuper, on va avoir des productions, des fruits, des légumes divers, des trucs comme ça. Le reste, on va laisser tourner tout seul. Une fois que la zone sur laquelle on travaille, elle est peut-être plus assez fertile, on va aller redégager une clairière, on va aller couper quelques arbres sur les endroits où c'est fermé, on va recultiver dans cette nouvelle clairière. Mais là, on peut jouer sur des laps de temps qui sont beaucoup plus longs. On peut avoir un jardin-forêt qui dure des centaines et des centaines d'années, et génération après génération, on va aller entretenir un peu plus certaines zones. Mais on ne peut pas imaginer effectivement tout seul entretenir au-delà de 5000 mètres carrés, à moins d'être mécanisé, d'avoir des copains qui viennent aider. Tout seul, 5000 mètres carrés, c'est une limite, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, vous pouvez commencer et on vous invite à commencer petit. Ça fonctionne très bien. Ça, c'est sûr. Et une autre question, c'est à partir de quoi est-ce qu'il faut démarrer? Est-ce que c'est important de commencer dans une forêt pour faire un jardin-forêt, Rémi? Alors, à partir de quoi on peut commencer? C'est ça ta question? Ah ouais, est-ce qu'il faut commencer d'une forêt pour faire un jardin-forêt? Ben, pour Pour moi, faire le plus simple, alors ce sur quoi j'ai l'expérience, mais le plus simple, c'est de partir d'une prairie. C'est là où on va avoir le moins, ou d'un potager, mais c'est là où on va avoir le moins de concurrence racinaire pour installer des choses. Par contre, là, moi, je rêve du jour où j'aurai un peu plus de temps libre pour démarrer sur une forêt que j'ai à côté de mon jardin-forêt, une forêt qui est déjà refermée, parce que j'ai plein de projets, plein de façons de faire que j'imagine. Mais partir d'une forêt, on va pouvoir se baser sur des arbres qui sont déjà en place, coupés, greffés dessus. On va pouvoir, voilà, on va commencer d'une autre façon. Tout est possible, mais le plus simple, je dirais quand même, c'est de partir d'une zone où il n'y a pas encore trop de densité racinaire, pas trop d'arbres, de grosses plantes qui vont gêner pour l'installation. C'est comme ça qu'on va pouvoir démarrer le plus librement et pouvoir mettre ce qu'on veut. Alors Après, là, tout est possible. j'ai un contre-exemple. Regarde la photo qui est là. On est encore chez Irène. Encore chez Irène. Y a de l'écho. On est encore chez Irène et elle est partie d'une forêt. Et en fait, elle s'est appuyée. L'avantage d'une forêt, c'est qu'on a déjà le microclimat, on est déjà protégé du vent, on a déjà l'humidité qui est plus importante.
Et elle a eu un résultat impressionnant, sauf qu'il fallait de l'énergie et qu'elle s'est appuyée sur des cochons, des poules, des canards pour l'aider à débarrasser tout ça, à réouvrir, à réenrichir la forêt. Il a fallu perturber la forêt, ils ont passé beaucoup de temps à couper des arbres, à choisir ceux qu'ils laissaient aussi. Au final, ils ont réussi à recréer un jardin directement dans une forêt. Donc voilà, encore une fois, ça dépend. Et pour moi, le plus complexe, c'est de partir d'un verger. Alors, tu vois, on n'a pas les mêmes expériences. Alors, les gens qui viennent me voir et qui ont un vieux verger et qui veulent planter au milieu, eh ben, on y arrive, mais c'est assez compliqué parce que ben, les racines des arbres, souvent, ils ont pris leurs habitudes et on n'a pas envie de les couper. Dans une forêt, on va couper des arbres, sortir, retourner un peu les souches. Alors que dans un verger, on veut garder les arbres. Et on a envie de densifier. Et là, pour moi, c'est compliqué. Il faut des stratégies pour installer un peu toutes ces plantes sans venir abîmer les racines des plantes. Alors voilà. Mais de toute manière, on va mettre des arbres partout où on peut. Donc voilà. Si vous avez une friche, vous pouvez faire un jardin forêt. Si vous avez un bois, vous pouvez faire un jardin forêt. Si vous avez un potager, vous pouvez faire un jardin forêt. Et si vous avez une prairie, eh ben vous pouvez faire un jardin forêt. Donc il y en a dans Oui, tout c'est l'aéroport. ça. Il faudra Il y en soit a du partout. temps, soit de l'énergie. Comme moi, j'ai dit, il faut du temps pour le temps de virer toutes les racines. Effectivement, avec des cochons, voire avec un outil, un tracteur, un dessoucheur, quelque chose pour enlever les racines. Sur une forêt, effectivement, on peut gagner du temps. C'est la stratégie qui va Oui, changer. Dans une forêt, c'est ça. on va ramener de l'azote, mais on a déjà de la profondeur de sol et de la matière organique. Dans une prairie, ça va être un peu différent. Alors, il y a Hélène qui demande si on peut partir du bitume. Ouais. Partir du bitume, Il va falloir de l'énergie pour tout fracasser parce qu'il y a du sol en dessous, hein. Les sols, ils peuvent être aussi bétonnés qu'on veut. Sous le béton, il y a du sol. Hein. Il y a quelqu'un qui posait la question, il me semble, plus haut dans le chat, si on avait du recul sur la méthode Miyawaki. Alors, je sais pas, Antoine, si toi, tu as étudié, tu as regardé un peu ça. Mais justement, alors, Miyawaki, c'est alors, c'est pas forcément pour faire des forêts fruitières alimentaires. Le but, c'est juste de recréer le plus rapidement possible des forêts très, très denses. Et donc là, on est sur des densités de plantation qui sont de 2, 3, 4 arbres au mètre carré. Et ça s'installe en quelques années, puisque la concurrence fait que ça va très, très vite. Mais, et du coup, ce que Akira Miyawaki, c'est un botaniste japonais, ce qu'il disait, c'est que justement, l'idée, c'était de régénérer des sols tout pourris. Et lui, il a fait sur des zones qui étaient urbanisées, anciennement urbanisées, sur des sols complètement détruits. Et il y a eu des projets où il y a eu du béton qui a été fracassé pour réussir à re-atteindre le sol. Semer des graines ou planter des jeunes arbres, arroser au début pour que les racines réussissent à aller au fond et à recréer des forêts là-dessus. Donc oui, c'est possible. C'est possible. Ça sera juste beaucoup plus compliqué. Il va falloir péter le béton, péter le bitume. Mais la nature peut revenir. Ceux qui habitent en ville, vous le voyez bien, des fois dans les trottoirs, dès que c'est fendu un petit peu, le bitume, il y a des endroits où ça se soulève un petit peu. On voit qu'il y a des plantes qui arrivent à soulever le bitume et passer à travers. Donc Il c'est y a des possible. arbres qui arrivent à passer à travers, les élantes, voilà, il y a des arbres qui sont forts pour ça, les catalpas, les élantes qui ont des forces incroyables. Je ne sais plus combien il fallait, il y a des études qui estiment le temps qu'il faudrait pour qu'une forêt revienne si on touchait plus à rien sur une ville. Mais il faut pas des siècles, hein, c'est quelques dizaines d'années si on touchait plus à rien pour qu'il y ait des arbres un peu partout dans la ville. Donc voilà, on peut accélérer le truc en ville aussi. Alors la terre morte, et Hélène qui dit la terre morte qui te questionne. Une terre même morte, on peut la régénérer. Enfin, s'il y a du sol, un sol sans aucune bactérie, ça c'est Marc-André Selosse qui disait ça, un sol sans zéro bactérie, ça n'existe pas. Tu vas très très profond, tu vas sur les sols les plus détruits qui soient. Il y a juste beaucoup moins de populations, mais elles sont là. Il y a moyen de booster avec des thés de compost, il y a plein des purins de plantes, il y a plein de moyens de booster vraiment les bactéries. Mais un Il y a sol toujours les totalement mort, ferments. même sous le bitume, ça n'existe pas. Carrément. Il y aura du temps, hein. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat. Il y aura du temps en deuxième partie de soirée. On reviendra sur toutes vos questions. Hein. Faut que j'arrête de lire le chat en fait. Alors, Vas-y, Antoine. troisième question qu'on nous pose souvent, c'est combien de temps ça va me prendre? Combien de temps est consacré? Est-ce que je vais avoir le temps d'entretenir le jardin une fois qu'il va être planté? Et bah, voilà, on vous a mis moi, à force qu'on me pose la question et qu'on commence à noter ce qui se passe pour nous,
on discute avec les gens qu'on accompagne, avec voilà, nos étudiants, bah, on commence à avoir quelques chiffres à vous proposer. Et puis, bah, Rémi, tu nous diras peut-être que ça dépend. Tu nous diras un peu de quoi ça dépend, mais c'est, voilà, on a envie quand même, moi, j'avais envie de vous donner quand même un ordre d'idée. Alors, si on prend un module de 500 mètres carrés, vous voyez, 5 ronds, comme on, 5, 5 bosquets, comme on a vu tout à l'heure, en moyenne par semaine, à la belle saison, en avril, d'avril à octobre, quand il y a vraiment pas mal de choses à faire, et ben, ça va être entre 1 heure et 10 ou plus de 10 heures par semaine. 1 heure, 1 heure, 1 à 3 heures, il y a juste de quoi. Enlever, voilà, juste de quoi sélectionner quelques plantes qui poussent. On va avoir quelque chose de très extensif, de très sauvage, avec une diversité qui va peut-être s'atténuer un petit peu. En moyenne, moi, je propose de compter à peu près 5 heures pour 500 mètres carrés. Voilà, une heure ou deux par semaine pour 100 mètres carrés. Pour moi, c'est une moyenne pour pouvoir vraiment entretenir les différentes strates de végétation. Avec, évidemment, il n'y aura pas les mêmes tâches à faire au printemps qu'à l'automne. Mais voilà, mais pour ceux qui ont en tête vraiment un jardin bien tenu, voilà, où il y a vraiment, on vient bichonner chaque plante, voilà, il y a vraiment une attention précise pour chaque plante, un maximum de production, etc. Et ben là, il faut vraiment prévoir d'y consacrer du temps, plus d'un ou deux jours par semaine, ça peut être facilement nécessaire. Voilà, il y avait de quoi occuper plusieurs personnes sur les jardins de Moucron. Alors qu'ils sont sur 1000 mètres carrés, donc il y avait 2 à 3 personnes sur 1000 mètres carrés qui pouvaient s'occuper. Et donc ça peut aller très loin dans le côté intensif, bichonner, tout ça. Je sais Moi, pas je ce que dirais tu en ça penses, dépend. Rémi. Alors, je vais dire, ouais, ça dépend. Non, ça dépend vraiment. Alors, il y a des choses, des incontournables où pendant le printemps, il y aura du désherbage à faire. Pendant l'été, il y aura de l'arrosage sur certaines plantations. L'hiver, si vous avez des arbres et que vous voulez produire du fruit, il y a certains trucs qu'il faudra tailler, des arbres, des petits fruits. Et ça dépend de quel type de production vous avez ensuite. Si vous avez un jardin potager dans votre jardin forêt, une partie potagère, ben, le potager, c'est quand même la zone qu'il faut le plus entretenir. C'est des plantes qui ont des enracinements assez peu profonds, donc il faut gérer les arrosages. C'est des cultures qui sont très rapidement mises en place, récoltées. Il y a des rotations qu'il faut mettre en place. Donc là, ça demande beaucoup de temps. Plus vous aurez un grand jardin, plus vous aurez un gros potager dans ce jardin forêt, effectivement, plus vous allez devoir y passer du temps. Moi, après, je sais que j'ai une limite où si au bout de 2 jours, 3 jours sans bosser dans mon jardin, déjà, émotionnellement, je suis pas bien, j'ai besoin d'y aller un petit peu. Et je sais que si j'arrive à y aller tous les jours, et si j'arrive à y aller ne serait-ce que 1 heure tous les jours, bon là du coup on est dans le moyen, là, 6 heures, 7 heures, on est même dans l'intensif à partir de 6 heures. Mais si j'arrive à y aller 1 heure par jour, alors peut-être pas tous les jours, on va rester sur le moyen dans les chiffres d'Antoine, c'est énorme les productions que j'arrive à avoir, c'est énorme l'impact que j'arrive à avoir en y étant que... Allez, 1 heure par jour, 2 jours sur 3, on va dire. À partir de là, ça commence à être déjà pas mal. Si vous y êtes que le week-end et que vous pouvez y être que 2, 3 heures par week-end, vous n'aurez pas les mêmes productions, il n'y aura pas la même gestion derrière, vous n'aurez pas autant de surface de potager, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas avoir le temps de tout désherber et que quand vous revenez la semaine d'après, il faut redésherber parce que vous n'avez pas eu le temps de désherber avant et qu'on va s'épuiser à tourner en boucle et à pas réussir à aller plus loin que juste à la base, ça suffit pas. Donc, soit vous avez... Allez, dans les 3-6 heures par semaine, là, vous pouvez faire une grosse surface de potager à entretenir. Soit vous avez juste un peu de temps le week-end et partez plutôt sur de l'arbre fruitier, du petit fruit, des choses qui demandent un peu moins d'entretien. Et c'est vraiment, moi, je dirais, c'est quand même la strate sol, la strate potager. Je sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais la strate potager, c'est ça qui prend vraiment le plus de temps, surtout sur le printemps, été, automne. Il y a 80% du temps qui est à passer sur la strate basse, en fait. C'est étonnant. Si vous avez une strate basse qui est très extensive, que vous n'attendez pas grand-chose de la strate basse, des couvre-sols, des légumes vivaces, etc., vous occupez des arbres, ça va prendre beaucoup moins de temps. Donc là aussi, en fonction d'où on met le curseur, moi, c'est voilà, c'est la deuxième question que je pose aux personnes que j'accompagne et que je vous invite vraiment à vous poser, c'est combien de temps vous pouvez y consacrer? Et ça va définir tout le reste aussi derrière, la taille, le niveau de récolte, tout ça, tout ça. Donc Et il ça, y a autre c'est... chose du coup que je peux rajouter par rapport à ça, c'est la ferme du Bec-et-Louen, là ils ont expérimenté ça. Ils ont essayé de voir
Est-ce que c'est rentable un jardin-forêt au niveau de ce que ça produit? Et sur les différentes strates, entre les arbres, la strate moyenne et la strate basse, où il y a plutôt les légumes. Et je pense qu'on ne doit pas être loin du chiffre que tu donnes au niveau du temps, 80%. C'est la strate basse et les légumes. C'est là où c'est le plus rentable. C'est là qu'on va produire le plus. Donc c'est logique que ce soit là qu'on passe le plus de temps à bosser aussi. Ouais, carrément. Alors, question 4, combien ça coûte? Est-ce que j'ai les moyens de me payer un jardin-forêt? Alors ça, ça dépend aussi encore une fois, de ce que vous voulez, du temps que vous voulez y consacrer et puis de ce que vous voulez faire. Là encore, je vous ai mis une fourchette. De prix, de ce qu'on a observé pour nous. Alors, ça date peut-être un petit peu, ça a déjà quelques années, mais ça donne une indication. Nous, on a testé un peu tout. Il y a des parties du terrain où on a acheté toutes les plantes et puis on a fait tous les terrassements en louant des machines, en faisant des trucs, en achetant des pompes. Il y a des parties du terrain où on a tout fait en bidouille nous-mêmes. Il y a des parties où on a multiplié les plantes. À la pépinière. Bon, on n'a pas fait réaliser par des professionnels pour le coup, mais là, c'est plus des devis qu'on a pu faire ou avoir par des clients. Mais voilà, ça va varier en fonction du temps que vous y pouvez y passer. Il y a un minimum à investir, je dirais, pour au moins en matériel de protection pour les plantes, pour créer une petite pépinière. Si vous n'avez vraiment pas les moyens, comptez 1 € du mètre carré. C'est possible de faire une pépinière. Je suis sûr qu'il y en a qui ont pu le faire pour 0 € en allant tout glaner, mais le prix, ça ne doit pas être un frein. C'est même des fois ce qui aide. Moi, j'ai vu des projets qui ont capoté parce qu'il y avait trop de sous investis trop vite et que derrière, il n'y avait pas, en fait, on n'avait pas les connaissances qu'il fallait sur le terrain, il n'y avait pas le temps pour entretenir. Et finalement, voilà, les plus beaux projets comme celui d'Irène, il était fait tout en récup avec un minimum de moyens. Et il est fait, c'est un des plus beaux jardins qui est et qui suit le principe de permaculture petit à petit. Voilà, et commencer petit, commencer lentement. Donc finalement, avec peu d'argent, on va des fois plus loin. Mais voilà, mais en moyenne, la plupart des gens qu'on suit et qu'on croise, ils vont quand même acheter, ils n'ont pas forcément une pépinière chez eux. Et ils vont acheter les plantes et puis ils vont faire le chantier eux-mêmes. Donc là, en moyenne, comptons 4, 3, 4, 5 € par mètre carré, plus si vous achetez des plantes rares de collection, des trucs qui valent vraiment cher. Là, c'est si vous achetez la matière et vous faites ça. Et puis, si vous voulez faire un jardin-forêt par quelqu'un, et ben là, ça va vous coûter cher parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de temps, voilà, de plantes à planter. Et là, c'est assez compliqué. C'est des jardins pour moi qui sont quand même plus propices à réaliser soi-même. Voilà, c'est un peu plus intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Moi, Rémi? Toi, ce que je tu dirais, es c'est plutôt dans tous jardin. les cas, moi, je suis plus pour essayer de produire soi-même. Si on a un petit jardin et qu'on doit acheter, allez, quelques arbres, allez, 4-5 arbres, qu'on les paye 20 € pièce, allez, on va les mettre et puis une fois que c'est fait, mais dès qu'on est un peu plus grand, à ce prix-là, c'est pas possible. Et là, je parle des arbres. Après, si on va mettre des buissons, des plantes un peu plus basses, bah, il en faut un peu plus. Si on va mettre des plantes couvre-sol, certaines plantes un peu rares peuvent coûter, allez, 2, 3, 4, 5 € le plant des fois. Si on en met 10 ou 20 au mètre carré, mais ça peut coûter une fortune. Je connais pas beaucoup de gens qui ont lancé des jardins-forêts et qui n'ont pas à un moment eu envie de se construire une serre. Si vous faites un truc comme ça, une serre, une véranda, ou si vous avez une baie vitrée, installez-vous un petit coin pépinière derrière votre baie vitrée. Mais de toute façon, faites-vous un endroit dans lequel vous pourrez travailler vos plantes, faire des semis, faire des boutures, apprenez la greffe, c'est pas du tout compliqué la greffe, on se fait tout un film autour de ça, alors qu'en fait on peut apprendre assez facilement, et débrouillez-vous pour pouvoir produire vos plantes. Semez un pépin de pomme, de poire, un noyau de pêche ou d'abricot, on se fait des porte-greffes. Allez chez les copains qui ont des arbres chez eux, récupérer une branche, ça fait du greffon. Avec une branche, on peut se faire 4 ou 5 arbres, et on peut comme ça, avec des boutures, avec des semis, se produire beaucoup de plantes. Et là, ça fait très très vite baisser le coût, parce que si on doit tout acheter, mais c'est pas possible. À fond. Et après, dans la réalité, nous, ce qu'on a fait en vrai, c'est qu'on a commencé les premières centaines de mètres carrés. On y a mis 5, 6, 8 € du mètre carré parce qu'on a acheté plein de plantes. On a commencé à se faire à acheter les pieds-mères. Et puis plus ça allait et moins on en a acheté. Donc aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez
prévoir de mettre un peu plus d'argent sur les premiers bosquets, sur les premières centaines de mètres carrés, peut-être sur, voilà, sur 100, 300, 500 mètres carrés. Et vous organisez pour ne plus avoir à en mettre pour la suite du jardin. Ça, c'est souvent ce qui se passe aussi. Voilà, on peut, si vous avez un petit budget, prévoyez de le mettre sur une petite surface et organisez-vous pour pouvoir après essaimer, démultiplier le jardin. Puis, oh, peut-être au début commencer par des trucs classiques, des pommiers, des poiriers, des trucs qu'on trouve assez facilement. Et après, une fois qu'on est installé, qu'on a déjà la base, ça c'est ok, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive même encore des fois de craquer, d'aller voir un pépiniériste et d'y laisser 200 ou 300 euros parce qu'il y a des plantes un peu rares. Mais commencez pas par des trucs rares ou chers, surtout si vous débutez, si vous, je sais pas si vous avez le niveau de réussir à conserver ces plantes qui coûtent des fois une fortune. J'ai acheté un couple de pistachiers il y a quelque temps, 150 euros les deux, mâle et femelle, 150 euros. Ils étaient déjà assez grands. Ben, le pied femelle est mort, là, il est en train de mourir. Donc voilà, il y a des trucs, faut pas trop se risquer non plus. C'est couillon vraiment d'y mettre de l'argent déjà et d'y mettre beaucoup d'argent et puis de perdre les plantes qu'on a achetées. Parce que ben, c'était pas le bon endroit, pas le bon moment, pas ce qu'il fallait. Alors que de la rhubarbe, de la ciboule, de la framboise, etc., ça t'en as, bah, tu vas toquer chez le voisin et puis tu repars avec des bouts de racines, des boutures, et puis tu commences déjà à construire quelque chose, quoi. Donc il y a vraiment des manières simples de faire. Alors, il y a d'autres moyens des fois d'obtenir des plantes. C'est si vous avez un copain qui est horticulteur, pépiniériste. Allez lui filer un coup de main, une demi-journée, une journée, et vous repartez avec des plantes. S'il y a des gens qui habitent pas très loin de chez moi, voilà, c'est un petit message. On est en train de regarder, nous, de notre côté, on réorganise la pépinière aussi pour que ça puisse être une pépinière ressource pour les porteurs de projet. Donc, voilà, il faut, Génial. mais vraiment, peut-être qu'une la première étape, avant même de faire un jardin forêt, peut-être qu'il faut commencer par créer un bout de pépinière. C'est pas compliqué et ça va vraiment vous permettre d'être autonome un maximum. Alors, combien de temps ça prend à pousser un jardin forêt? Combien de temps va falloir que vous attendiez depuis combien de temps vous attendez? Vous pouvez peut-être nous dire dans le chat aussi depuis combien de temps vous avez créé votre jardin forêt si vous l'avez fait. Là aussi, est-ce que ça vaut le coup de vous lancer? Est-ce que vous êtes déjà trop vieux? Vous n'en aurez pas les fruits? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous allez pouvoir vous mettre à l'ombre de votre jardin? Je vous ai donné des chiffres parce que je sais que bah, il y a beaucoup d'entre vous qui aiment bien les chiffres, ça rassure. Mais bon, c'est quand même compliqué ça va vraiment dépendre de l'endroit où vous êtes, des fameux facteurs limitants dont on vous a parlé au début de la session. Voilà, la quantité d'eau, de vent, de sol, etc. Mais bon, pour avoir une moyenne. Et ben on va dire qu'à 3 ans, on commence déjà à avoir un petit peu les tout premiers fruits, puis on peut avoir une première structure, on commence à voir le jardin se dessiner, si on a des bonnes conditions. Si vous avez assez d'eau, si vous arrosez assez, si vous avez un sol fertile. Sinon, 3 ans, c'est encore tout riquiqui, tout fragile. 5 ans, pour nous, dans notre expérience, 5 ans avec peu d'eau et du vent. 5 ans, ça a été un point de bascule, quoi. 5 ans, nous, chez nous, on a commencé à sentir le. Ça y est, il y avait un peu de consistance, il y a un microclimat qui commence à arriver, on commence à avoir les premières pêches, les premières prunes, tout doucement. Ça commence à faire, mais on n'est pas encore à l'ombre complètement. Et il faut plus 7, 10, voire 20 ans sur des terrains difficiles pour vraiment avoir toute la dynamique, l'ambiance. Qui va y avoir dans un jardin forêt pour que le cycle vertueux soit vraiment mis en place. Voilà, toutes ces pompes hydriques, la création de la matière organique, 6, 10, 20 ans. Je sais pas, ça a mis combien de temps, Rémi, chez toi? Bah, après, encore une fois, je vais dire ça dépend. Non, là, tu vois, ça fait 15 ans que j'y suis. Alors, faut vraiment avoir la référence. Je suis sur un terrain très, très sec avec vraiment peu d'eau. C'est vraiment un gros facteur limitant. Et là, au bout de, allez, 15 ans, mais ça fait quand même quelques années, je dirais au bout de 10 ans, j'ai des coins qui vraiment ressemblent à des coins de forêt. Après, j'ai pas planté tous mes arbres dès le début. J'aurais planté tous mes arbres dès le début. Là, ça ressemblerait vraiment plus à une forêt. Mais voilà, pour le côté vraiment forêt, gros arbres.
je dirais, sur un terrain sec, une bonne dizaine d'années. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, une vidéo avec en comparant mon jardin avec celui de Damien, qui est en Corrèze, qui lui a beaucoup plus d'eau que moi. Et lui, en 5 ans, son jardin ressemble déjà au mien. Mais du coup, je vais juste donner, moi, un petit, raconter un petit truc pour que les gens se rendent compte à quel point, en fait, ça peut aller très vite. Quand on va planter un jardin, on va planter les arbres qui vont commencer à produire dans 5 ans, 7 ans, effectivement. Après, on va planter au pied de ces arbres, dès le début, des petits fruits qui, eux, vont commencer à produire au bout de 2, 3 ans. Au bout de 3 ans, un pied de cassis, de groseille, il est en pleine production. Au bout de 2 ans, il commence à produire. Dès la première année, il va y avoir 3 fruits dessus, mais c'est pas là que c'est intéressant. Mais la première année, une fois qu'on a mis tout ça en place, on va déjà commencer à y planter des légumes. Et les légumes, c'est dès la première année que ça donne. Donc, un jardin forêt complet, abouti, oui, peut-être ça va être 10 ans, 15 ans, voire plus, si vous mettez des pacaniers, vous mettez des noix de pécan, c'est vous n'aurez pas la première noix avant 15 ans. Mais tout ce qu'on va y mettre, il y a quand même des choses qui vont produire dès le début. Et moi, j'aime bien même pousser le truc encore un peu plus. C'est vous allez planter vos arbres, vos petits fruits, vos légumes, mais avant d'installer tout ça, vous allez nettoyer un peu la zone, désherber, vous allez arracher des pissenlits, ben ça, vous le mettez dans l'assiette. Dès le début, il y a déjà des choses qui se mangent. Sur un terrain, s'il y a des choses qui poussent, dans ces choses qui poussent, il y a des choses qui se mangent. Et tout ce que vous allez planter, dès le début, il y aura des productions. Et année après année, vous allez diversifier de plus en plus les productions. Mais les premières productions, dès que vous arrivez sur le terrain, il y en a déjà des productions. Carrément. Ben là, justement, on a un bel exemple. Je reviens là, on l'a vu d'en haut tout à l'heure, la ferme du Bouchot, l'écocentre du Bouchot. Là, on a le deuxième mandala que Jean-Philippe et toute sa tribu ont créé. C'est un magnifique jardin. Donc là, c'est déjà un peu grand, hein, c'est sur 5000 mètres carrés. Mais là aussi, c'est organisé autour de petites clairières, donc des plus petites entités avec des thèmes différents, qui permet de pas avoir un truc trop gigantesque. Donc une grande surface, un jardin bordure. Il a été planté en 2016 et pareil, ils ont mis plein de légumes vivaces, de courges. C'était vachement encourageant parce qu'on avait des petits arbres à droite à gauche comme des cotons-tiges et en fait, ils ont eu une belle production dès la première année. Ils ont mis des quantités astronomiques de feuilles et de broyat pour compenser l'effet de leur sol sableux et séchant. Donc, ils ont mis, je crois que ça doit être au moins 50 cm des camions de feuilles en automne de la commune, du broyat, plein de matière organique. Et puis, ils ont planté directement là-dedans. Et ça a été complètement fabuleux. Et l'idée vraiment là-dedans, c'est effectivement, comme tu dis, Rémi, d'avoir une récolte dès le début pour s'encourager et pas attendre les bras croisés. Voilà, donc ça c'est possible. Et puis là, ça c'est le jardin, voilà, en début au printemps. Donc 6 7 ans après, voilà, 7 ans après, on commence à avoir vraiment une ambiance. Les arbres du tour du mandala sont déjà grands. On a vraiment ce côté. On commence à avoir l'ambiance d'une petite forêt avec son humidité, tous ses fruits. Voilà, il y a déjà des endroits là où dans les bosquets, il y a déjà une atmosphère de clairière. Donc, vous voyez là, sur un sol très sableux, très pauvre, mais avec beaucoup d'apports de matière organique, avec des connaissances, parce qu'ils ont construit, il y a eu d'abord le tout petit bosquet qui a été fait là, et puis celui qui est ici, et puis le premier mandala. Donc, ils ont été progressivement, d'abord une 50 mètres carrés, et puis 2 ou 300 mètres carrés, et puis 3000 mètres carrés, et puis 5000. Et puis progressivement, là, ils ont utilisé aussi, voilà, il y a de la connaissance qui s'accumule, ils connaissent de mieux en mieux leur sol, et puis ça va de plus en plus vite. Ils sont combien à travailler là-bas, justement, pour que ça donne une idée? Et ben, Jean-Philippe qui est en permanence sur le navire, qui va y passer quelques heures par jour, et puis il a une joyeuse tribu de woofers volontaires. Ils sont 3, 4, 5, mais ils sont sur l'ensemble de la ferme, hein, pas uniquement sur ce jardin. Faudrait poser la question, je sais pas exactement combien ils passent de temps sur ce jardin-là ici. Mais voilà, sur l'ensemble de la ferme, il y a entre 3 et 5, 6 personnes qui s'occupent des jardins, pas à plein temps, mais régulièrement. Voilà, on arrive gentiment au bout de notre petite première partie, là, celle qui permet de récolter aussi vos questions. Voilà, en conclusion, on va pouvoir faire
des jardins-forêts avec les ressources qu'on a. Si vous avez beaucoup de temps et peu d'argent, vraiment, prenez le temps d'aménager une pépinière, on l'a déjà dit et redit. Si vous avez beaucoup d'argent et peu de temps, eh ben, faites attention à ne pas faire trop grand. Ça, c'est vraiment une erreur pour ceux qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir de l'argent. Des fois, ça peut être un gros facteur de découragement. Il faut commencer par le bon bout. Puis si vous avez beaucoup d'argent, beaucoup de temps, invitez plein de copains, plein d'amis. C'est qu'il y a de quoi occuper, il va y avoir de quoi occuper plein de monde, il va y avoir plein de surplus à redistribuer, mais ça, voilà, ça va être quels que soient les types de jardins. Il y a quelque chose qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas parlé je repensais à ces jardins-là, on n'a pas parlé des successions de plantes aussi, Rémi. Ça, c'est quelque chose aussi dont je voulais parler, c'est qu'il n'y a pas les mêmes plantes selon les années. Et il y a des arbres qui ont été plantés dès le début, mais il y a des plantes qui ne pouvaient pas pousser au début et qui poussent maintenant dans le jardin. Et ça, c'est quelque chose qui va être fondamental aussi pour moi pour pouvoir accélérer les successions, pour pouvoir avoir un jardin qui pousse vite, c'est d'avoir les bonnes plantes dès le début. Et voilà. Et pour ça, on a créé là une base de données sur les plantes, une base de données que vous pouvez trouver en ligne. Je pense qu'il y a Kevin qui va vous mettre le lien de cette base de données qui se trouve sur le voilà qui est accessible depuis le campus des alvéoles. Et donc une base de données où vous allez pouvoir choisir les plantes en fonction de si du milieu où elles poussent, de si elles apportent de l'azote ou pas, si elles ont besoin de beaucoup de nutriments, en fonction de voilà du type de sol dans lequel elles poussent. C'est un outil que je vous conseille vraiment, un outil pour pouvoir justement faire des palettes de plantes en fonction du type de sol dans lequel vous êtes, en fonction de la quantité d'eau que vous avez, voilà, pour adapter vraiment les plantes à votre terrain et les faire évoluer. Ben, il y a un autre outil moi, que je conseille, mais qui est le même, mais sur du papier et qui est très très joli et très vraiment génial à utiliser. Moi, j'utilise beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran là. Kit Karagana, c'est un jeu de cartes où il y a 160 fiches, où chaque fiche c'est sur une plante et ça vous explique ben, le format qu'elle va avoir, quel type de système racinaire elle va avoir, quel type d'exposition, combien d'eau, quel type de sol elle est adaptée. Et voilà, tous les besoins qu'elle a. Et ça va vous permettre à vous de savoir ben, qu'est-ce que vous allez pouvoir cultiver, dans quel type de sol, enfin, selon le type de sol que vous avez, qui va vous permettre de savoir comment les assembler entre elles, comment faire en sorte qu'elles s'entraident. Donc voilà, très très pratique et très ludique. Moi, je m'éclate depuis que j'ai ça. Je m'en suis servi pour plein de choses différentes. Ouais, c'est pas les mêmes usages, mais c'est les mêmes plantes. Donc pour ceux qui l'ont pas encore, parce qu'il est quasiment épuisé, et avant qu'on le réédite, vous avez accès gratuitement à toute la base en ligne. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir. Et puis bah voilà, si vous avez un projet, ça peut valoir le coup de. Ah bah tiens, voilà le kit. On avait prévu d'en parler aussi. Le kit Karayana. Et puis, bah avant de voilà, cette base de données en ligne, elle est sur la Permathèque des alvéoles. Vous allez retrouver des webinaires, plein de ressources pour aller plus loin et vraiment vous aider à choisir vos plantes. Il y a un webinaire sur les systèmes racinaires, il y a un webinaire sur les plantes mellifères. Il y a plein de ressources différentes pour vous aider justement à choisir quelle plante à quel moment. Ça va pouvoir, voilà, on vous invite vraiment à regarder ça. Il y a des moments un peu forts aussi pour rassembler plein de passionnés du sujet. Voilà, on vous annonce aussi au passage qu'on va refaire un festival en ligne avec plein d'invités passionnés par le jardin-forêt. Voilà, on refaire ça cet automne. Ça, c'est on a pris la décision il y a quelques semaines. Voilà. Et puis voilà, on vous disait aussi que on vous disait que qu'on a remis à jour avec Rémi une formation en ligne pour concevoir son jardin forêt. Voilà, c'est une formation que j'ai créée il y a 3 ans et qui est vivante, qu'on essaye de garder vivante parce qu'elle a fait qu'évoluer depuis le début. On rajoute de la matière, on corrige, on met à jour. Et quand j'ai vu Rémi que tu t'es connecté à la formation là il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, Ça fait au moins 2 ans, moins de 2 ans, hein, et ça m'a donné envie
de t'inviter à enrichir. On essaie d'avoir plusieurs points de vue sur tout ça. Et donc, voilà, on t'a. Ouais, c'est une des formations moi, les plus intéressantes parce que ben, forcément, je mange un peu à tous les râteliers. Moi, dès que je vois des formations jardin-forêt, je vais grappiller ce que je peux grappiller. Et c'est vraiment une des formations les plus complètes, les plus intéressantes. Et alors, je vais te jeter des fleurs un petit peu, tu m'en voudras pas. Mais Antoine, le bouquin qu'il a écrit, la formation qu'il a fait en ligne, on voit vraiment que c'est du concret, on voit vraiment qu'il y a de la pratique derrière. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, vous avez tout sur cette formation, il y a tout pour comprendre comment ça fonctionne, pour le mettre en place, pour le design. Donc ça, c'est vraiment génial. Et moi, l'autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est voilà, c'est le suivi qu'il y a derrière. Là, maintenant, ben, je vais commencer aussi à annoncer un peu ce qui va se passer bientôt. C'est sur la prochaine session de formation là, qui va commencer. Ben, là, on peut déjà s'inscrire maintenant. Il y a des webinaires toutes les 2 semaines où tous les stagiaires peuvent poser leurs questions, présenter leur design. Enfin, il y a vraiment une interaction qui est super sympa. Il y a une interaction super sympa, moi j'ai trouvé en tout cas quand j'ai suivi la formation avec d'autres personnes qui suivent la formation. Donc, je sais pas, c'est peut-être pas la seule qui est bien, il y en a peut-être d'autres qui sont bien, mais en tout cas, celle-là, pour moi, vaut vraiment le coup. Et alors, la fierté que j'ai ressentie quand tu m'as proposé ben, de participer maintenant, d'être formateur là-dessus, alors il y a plein de petits verres, il y a plein de textes, il y a plein de vidéos, ben, moi j'ai rajouté ben, un petit peu ma patte sur cette formation, j'ai rajouté des vidéos sur les sujets sur lesquels je pensais que j'avais un peu plus de trucs à dire aussi. Ouais, Donc, tu as rajouté du contenu sur l'entretien, sur la multiplication, sur ton voilà, toute ton la expérience création de du pépinières. végétal, la création de pépinière. C'est, moi, je suis ravi de qu'il y ait différents échos, que tu viennes apporter aussi tes conseils, parce que tu as une belle expérience aussi, et sur des terrains secs aussi, donc c'est vraiment excellent. Ouais. Ouais, je suis assez content, ouais. J'ai hâte de reprendre la nouvelle session, Du là. coup, il y a une... ouais, du coup, la nouvelle session, peut-être on peut annoncer les dates, puisque donc Allez. ça commence là, en fait, dans les prochains jours. En fait, donc Rémi sera en live, donc webinaire, toutes les 2 semaines, et ça sera des jeudis soirs, comme ce soir, tous les 15 jours. Donc dans 15 jours, on sera le jeudi 5 octobre, puis le jeudi 19 octobre, puis le jeudi 2 novembre, le jeudi 16 et enfin le jeudi 30 novembre. Au total, ça fait 12 semaines. Et pendant toute cette période, bah, du coup, toi, tu réponds aux questions aussi de tout le monde, hein. C'est pas simplement la présence dans les webinaires, mais tu fais vraiment un accompagnement, on va dire presque individualisé, de toutes les personnes qui suivent la formation. C'est ça, complètement, ouais. Donc une fois toutes les 2 semaines, c'est pendant 2 heures, je Exact. vous aide à créer vos designs, à faire avancer sur vos projets. Mais tous les jours, je suis sur les commentaires, tous les jours, je réponds à vos questions. Allez, peut-être pas tous les jours, certains jours, je prendrai un peu de week-end. Mais voilà, je suis vraiment en continu à répondre à vos questions. Et ouais, j'essaye de faire un suivi assez régulier. Alors, il y a deux questions pour Antoine. Il y a Iltref qui demande est-ce qu'on peut utiliser son CPF, et Anne qui demande est-ce qu'on peut utiliser le Vivea. Ben, malheureusement, le CPF, on n'arrive plus, on s'est fait mettre à la porte du CPF. Ils ont durci un peu leurs conditions. Enfin bon. Donc, CPF, ça ne marche pas pour cette formation-là. Et Vivea, ça a marché il y a quelques années. Ça fait longtemps qu'on n'a pas réessayé, mais voilà. Vivea, je ne sais pas. Mais c'est une formation, effectivement, Vivea, c'est souvent pour les agriculteurs. On a un public très large qui a suivi cette formation. Il y a eu beaucoup de. Là, il y a eu déjà 650 personnes qui ont suivi la formation. Et ça, c'est un truc qui est juste génial pour nous, parce qu'on a plein, plein de retours de gens qui ont planté, qui nous envoient leur plan de plantation. Il y a des gens qui, grâce à la formation, ont pu redimensionner leur projet. Il y a des gens qui ont pu organiser aussi la mise en œuvre dans le temps de leur projet comme il faut. Il y a des professionnels, des paysagistes qui s'en sont inspirés et qui s'en inspirent dans leur travail. On a vraiment, voilà, il y a des agriculteurs qui ont composé leur haie fruitière aussi grâce à la formation. Nous, on se régale. Le but du jeu pour nous, c'est que les gens ne repassent pas par tout le chemin qu'on a pu faire. Avec toutes les erreurs qu'on a pu faire, moi, le but du jeu, c'est qu'ils fassent des erreurs, mais qu'ils fassent pas les mêmes que moi. Voilà, ça serait con de refaire ça. Donc, on a donné tout ce qu'on pouvait pour faire gagner du temps. Et on a vraiment des beaux retours, parce qu'on a des gens qui viennent nous voir en atelier de projet avec leur plan,
Ils nous envoient des photos de leur jardin, c'est hyper touchant. On commence même à échanger, à avoir des retours de plantes aussi. Donc il y a un petit réseau qui se met en place pour échanger des plantes. C'est vraiment super. Du coup, il y a David qui demande est-ce que le design de jardin est abordé dans la formation? Ben, c'est le thème central. Hein. C'est le thème central, c'est comment on associe les plantes entre elles, comment on va organiser dans l'ensemble le jardin-forêt, comment on va faire plusieurs zones différentes, comment on place les chemins, comment voilà, dans quel ordre on va mettre les plantes, comment on va dimensionner les bosquets. C'est vraiment le fil conducteur, c'est bah, concevoir, organiser son jardin, le planifier un peu, et puis après, bah, Entretenir. On donne plein de trucs pratiques aussi pour l'entretien, on fait des visites de jardin, voilà. Mais c'est vraiment c'est une formation pour les gens qui ont envie de planter un jardin forêt. C'est très complet. Enfin, pour moi, c'est très complet. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait manquer dedans. Ce qui va manquer, c'est peut-être le côté, si on veut s'installer en tant que pépiniériste professionnel, les démarches administratives, la cuisine, vous voyez, tous les sujets qui sont un peu autour du jardin forêt. Mais en ce qui concerne la création et l'entretien du jardin forêt, il y a tout, il y a vraiment tout dedans. Et je dirais même plus, si vous trouvez qu'il manque quelque chose, dites-le, on le rajoutera. Ben, je dis non, je le rajouterai. Peut-être je ferai des petites vidéos en plus s'il manque des morceaux. Mais franchement, non, non, elle est vraiment très, très complète. Je vous ai partagé dans le chat, je vous ai partagé le lien là pour aller voir le programme et tous les Voilà, oui. détails sur la formation en ligne. Donc vous pouvez aller voir évidemment. Il y a Gaspard qui dit génial le système de critères de la base de données. Merci. Voilà. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez raté je le repartagerai, mais le lien vers la plantothèque, donc cette base de données en ligne, vous pouvez y avoir accès. Et du coup, je passe la question de Iltref qui demande est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Question très pratique. Oui, Oui, c'est possible. on peut payer en 3 fois. Je réponds à la place d'Antoine parce que je vois qu'il hésite. On peut payer en 3 fois. Et la formation, elle est le prix, demande Béatrice, c'est 540 euros. Donc avec 540 euros, en fait, ça comprend l'accès à l'ensemble de la formation en ligne, donc qui avait été conçue par Antoine, qui a évolué et qui a été nourri et alimenté par Rémi. Ces derniers temps, plus l'accès à tout le cycle d'accompagnement qui commence du coup maintenant pendant 12 semaines avec donc Rémi qui est dans les starts pour répondre à vos questions et puis qui propose les 5 webinaires dont vous avez les dates là affichées à l'écran. Et en plus de ça, tout à l'heure, Rémi vous a présenté le kit de plantes, le kit Caragana qu'on vend sur notre boutique et j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient du mal à se connecter à la boutique qu'on vend qui a une valeur de 67 euros. Et en fait, on vous propose jusqu'à dimanche soir une offre Early Birds pour celles et ceux parmi vous qui seront les plus réactifs et réactives. On vous envoie le kit Caragana, voilà, vous le recevez chez vous. Donc voilà pour ce qui est de la proposition qui est faite à celles et ceux qui ont envie d'avancer, de se donner les moyens de vraiment avancer dans les 12 prochaines semaines et puis encore après, puisque la formation, vous pourriez y avoir accès plus longtemps. Voilà, voilà. C'est quoi la différence entre parcours complet et initiation, demande David. Eh ben, l'initiation, on a les modules. L'initiation, ça permet de vraiment comprendre. C'est les premiers modules, donc il y a un tiers de la formation plus ou moins qui est dedans avec les vraiment comprendre ce que c'est, pourquoi on le fait, avec un exemple, des balades, etc. Et puis dans le parcours complet, on a bah, le cycle d'accompagnement, on a toute la méthodologie de conception, des exemples de guildes, voilà, le parcours complet, il permet vraiment de sortir avec son projet, en fait. Le parcours complet, il est fait pour ça. L'initiation, c'est si vous posez la question pour savoir si un jardin forêt, ça vous plaît, ou si c'est fait pour vous, à ce moment-là, l'initiation, c'est bien. Voilà. Ouais. Donc Françoise demande est-ce que la formation dure 2 mois? Alors, 2 mois, on a estimé que c'est le temps qu'il faut pour la suivre une première fois, mais comme c'est très dense et qu'on sait qu'il faut 6 mois ou plus pour que les gens assimilent vraiment le contenu, elle est accessible à vie. Donc voilà. Mais on a on va animer un cycle parce qu'on sait aussi qu'au bout d'un moment, les gens décrochent. Et donc on anime un cycle sur un certain temps et on invite tout le monde on essaie d'entretenir et de nourrir
un peu comme une petite promo pour que les gens se motivent, parce qu'on sait que des fois, il y a des gens qui décrochent, qui passent un peu à autre chose. Donc là, Ouais. on essaie de, voilà, d'aller au bout de Oui. la formation sans trop, voilà, en moins de trois Ouais. mois. En fait, Françoise, elle disait, je parlais du suivi. Et donc, le suivi, ce qu'on appelle l'accompagnement ou le cycle d'accompagnement, c'est pas sur 2 mois, mais c'est sur 3 mois. Enfin, c'est sur 12 semaines, pardon. Et C'est donc, pas à vie. c'est pas à vie. Voilà. Rémi, il s'engage pas à vie à répondre à vos questions par mail. Mais par contre, pendant 12 semaines, il le fait. Donc, profitez-en. Voilà, pendant 12 semaines, ben, tout ce qui est affiché à l'écran, à ces dates-là, je fais des webinaires avec les stagiaires où je réponds vraiment à vos questions. Après, les questions vraiment par écrit sur chaque cours, j'y serai peut-être pas tous les jours, mais je peux y être après beaucoup plus. Et de toute façon, une fois que vous avez fini la formation, normalement, à partir de là, vous ne posez plus des questions tous les jours. Les questions que vous aurez, ça sera peut-être des questions un peu plus techniques, un peu plus poussées que vous aurez de temps en temps. Et bien là, pour le coup, est-ce que je peux m'engager sur ça? Mais moi, je vous invite à venir, ben, moi, de mon côté, sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos à thème sur lesquelles vous aurez plein d'infos en plus, sur lesquelles vous pouvez poser des questions. Et là aussi, je vais y répondre. Et puis, si vraiment vous avez des questions trop spécifiques, envoyez-moi un mail, hein, vous aurez mon adresse mail à partir de là, envoyez-moi un mail et puis je ne garantis pas que je réponde dans l'heure, mais moi, des gens qui ont des blocages sur des projets de jardin-forêt, des projets d'installation agricole, des projets de tout ce qui est lié à l'agriculture, l'environnement, la nature, j'ai envie d'accompagner ces projets-là, donc vous inquiétez pas, ouais, j'y serai. Par contre, Oui, on a super. les 12, les quoi, les 12 premières semaines, non pas les 12 premières semaines, enfin ces quelques premières semaines là, j'y serai de manière intensive, oui. Là, l'idée, c'est vraiment de suivre l'avancement de vos projets, de vos plans. Moi, j'y passerai aussi. Et puis, nous aussi, on fait de temps en temps, il y a des cycles d'accompagnement, on a des webinaires. Donc, là encore, sur ce cycle-là, on a invité aussi des anciens stagiaires dès qu'ils étaient déjà inscrits à la formation avant. Donc, ça, c'est une aventure qui continue. C'est juste que là, bah, voilà, on a une proposition pour partir ensemble pour une nouvelle aventure. Yes, il y a un témoignage de François qui dit un grand merci et un grand bravo pour les solutions que vous proposez et la manière, l'engagement et la sincérité que vous démontrez. C'est top, ça nous aide. Et ben voilà, ça fait plaisir, surtout après un début de soirée aussi chaotique. Il y a grâce à Forêt Comestible de la Manche, on sait que le score c'est 59 à 0. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il y a plein de questions où on va revenir un peu. Il y a notamment des questions de Thomas sur le suivi des plantations, les rotations, les variétés, les planches de culture, voilà pour Prédon. Donc, on va revenir un petit peu plus sur ce. Ah là, au fou, le score a déjà évolué, 66 à 0. On s'arrête plus. Je pensais que le match était terminé, c'est pour ça que j'ai partagé. Donc voilà, il y a Iltref qui demande est-ce que la formation est proposée dans tous les ans, tous les 6 mois? Et ben voilà, la dernière, c'était il y a un an en fait, hein, le dernier cycle. On a essayé d'en proposer un au printemps, mais on n'a pas réussi à goupiller, à avoir suffisamment de monde pour pouvoir le faire. Donc voilà, si tout va bien, on le reproposera, dans un an. Voilà. T'es motivé? Okay. On va déjà Je faire celui-là. suis Et puis après on va voilà. Donc voilà, donc vous avez tous les éléments pour vous pouvoir vous positionner si vous avez envie de nous rejoindre pour ce cycle d'accompagnement. On vous a mis le lien, on va vous remettre le lien vers le descriptif de la formation. Et puis avec tous les détails, les 12 semaines d'accompagnement, le kit Karagana offert pour toutes les inscriptions au parcours complet avant dimanche soir. Et du coup, on va passer à la dernière étape de notre soirée où on va répondre encore à plein de questions. Alors, on a pris un peu de on pensait finir à 22h30, puisque c'était un petit peu le format qu'on s'était donné. Est-ce que ça va pour vous, les amis? Est-ce que vous pourrez tenir si on va jusqu'à 22h45, ce qui nous laisse encore une demi-heure, pour répondre à des questions? On a bien eu Ah du. Ouais, avec la galère qu'on a eue pour démarrer, on peut bien prendre ça. ouais. On a au moins perdu un quart d'heure. Ok, super. C'est chaud. Le lien PDF de la présentation, on va le remettre. On va vous le remettre. Je dois l'avoir quelque part. Même minuit sans souci, nous dit Héro. Il y a Kevin qui vous repartage, mais sinon j'avais créé un lien sur Doc, mais c'est pas grave, je vais le repartager. Voilà. Super, super. Alors, c'est parti.
Je vais reprendre du coup certaines des questions qui sont arrivées. Il y avait notamment tout à l'heure une question de Thomas qui demande en tant que professionnel, comment faites-vous le suivi des plantations, les récoltes, les itinéraires techniques par plante? Est-ce que vous avez des fichiers, des logiciels, d'autres astuces? Voilà. Parce que. Moi, j'ai pas forcément, j'ai même pas du tout de logiciel. Tu fais pas ça, toi? Je sais qu'au début, je prenais des notes, j'avais un calendrier sur lequel je notais les périodes où j'avais certaines choses à faire. Et là, avec l'expérience aujourd'hui, j'avoue que je fais un peu plus au feeling. J'ai des calendriers de semis, plutôt pour les potagères, les annuelles. Des calendriers de temps et de méthodes de stratification pour les arbres, sur lesquels je vais me référer quand j'ai des nouvelles variétés que je teste, oui. Après, des logiciels de planification, je sais, j'en connais même pas, j'en ai jamais testé. Je sais pas, toi, Antoine. Ben, nous aussi, on avait commencé avec des tableaux Excel qui étaient des vraies usines à gaz. Ils sont un peu poussiéreux en ce moment. On a des tableaux dans la pépinière où on écrit des trucs et pour des dépenses bêtes, un calendrier. Et on travaille par contre en ce moment avec un informaticien. Alors on a arrêté pendant l'été, mais on travaille au développement d'un petit logiciel open source qui serait vraiment destiné à un plan pour pouvoir faire des plans de gestion de jardin et en particulier de jardin-forêt. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir avec une super base. Et voilà, on a une bonne piste pour avoir un petit logiciel très adapté pour pouvoir avoir vraiment un calendrier qui est relié à un plan. Bon, mais c'est pour l'instant, on l'a pas encore. C'est vrai que ça n'existe pas de manière simple, mais tout bientôt. Ok. Il y a des questions sur les. Alors, il y a un centre d'intérêt sur est-ce qu'il existe des exemples de jardins, forêts pro ou des gens qui vivent de leur production. C'est vrai que c'est une question qui nous est aussi parfois demandée. Voilà, dans le chat, il y a Maeva qui partage qu'au Pays-Bas, il existe un jardin-forêt commercial de 20 hectares. Donc, il y a des recherches à faire là-dessus. Est-ce que vous avez connaissance ou des choses que vous pourriez dire par rapport à ça, au Je forêt commerciale? cherche des noms là, mais parce que j'oublie toujours les noms des gens. Mais oui, moi j'en ai connu. Mais les gens qui vivent de leur projet, en général, je dirais qu'il y a un truc qui fait qu'on capte pas vraiment le truc comme il faut. C'est on regarde les youtubeurs, on regarde les gens qui font des formations, on regarde les gens qui sont connus en ligne, et on se dit oui, mais ces gens ils vivent pas de leur production. Les gens qui vivent de leur production, ils perdent pas de temps à faire des vidéos sur YouTube et à donner des formations. Ils sont vraiment sur les productions. Donc oui, il y en a, mais ils sont pas connus. Mais oui, il y en a, bien sûr qu'il y en a. Nous, notamment, il y a une de nos étudiantes qui est de nos stagiaires là, qui a créé un jardin-forêt pour faire des muesli et des barres de céréales. Donc, elle fait des voilà, c'est vraiment une activité. Elle va faire des. Alors, elle produit pas tout, mais elle a une base de flocons d'avoine et puis après, elle va produire tous les fruits, les condiments. Elle fait sécher tout ça et elle a toute une gamme qu'elle a développée. De nourriture crudivore et apparemment ça voilà ça marche ça a l'air de marcher assez bien voilà il y a différents profils. Moi souvent les modèles que j'ai pu voir ils sont hybrides et les parcelles de jardin forêt ou de haies fruitières elles sont en complément d'une activité de maraîchage ou de poule pondeuse De pépinière. voilà moi c'est voilà ou de pépinière. Donc souvent c'est pas moi j'ai pas vu encore un projet où le jardin forêt en lui-même suffit à faire une activité commerciale parce qu'il y a des biais aussi c'est compliqué le prix de la nourriture aujourd'hui le coût du temps de travail etc. mais avec des activités hybrides oui carrément il y a des activités aussi de crêpes j'ai vu des activités de galettes et de crêpes artisanales et où, voilà avec des gens qui complètent les galettes et les crêpes avec des productions du jardin forêt. Enfin, il y a plein de, je pense qu'il y a plein de schémas à penser. Après, je pense C'est que vrai que le... c'est des modèles qui ont émergé d'une agriculture vivrière à la base, hein. Donc ils sont essentiellement organisés. Ils sont tellement denses que c'est vraiment, voilà, c'est les jardins créoles. C'est vraiment pour la subsistance de la famille. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui cherchent à en faire un modèle économique, mais c'est encore compliqué pour moi. Et j'allais dire, moi, le nom est un peu trompeur aussi, parce que souvent, quand on dit jardin-forêt,
C'est souvent des jardins-forêts de particuliers qui veulent quelque chose qui ressemble vraiment à une forêt avec des aménagements plutôt sous forme d'îlots et dans lequel il n'y a pas beaucoup de légumes. Et après, il y a une autre forme d'aménagement qui est plutôt sous forme de haies, des haies fruitières. Et si vous faites des haies un peu plus écartées entre lesquelles on fait des cultures de maraîchage et cultures de céréales, on appelle ça plutôt de l'agroforesterie. Et aller faire des recherches sur des projets d'agroforesterie qui sont rentables, là, pour le coup, il y en a beaucoup plus. Et pour moi, entre l'agroforesterie et le jardin-forêt, on est quand même un peu sur le même concept, c'est juste pas le même type d'aménagement et pas avec le même objectif de production. Yes, un peu dans la même veine sur le lien avec la partie agricole, il y avait MC qui demandait est-ce que la SAFER peut considérer la création d'un jardin-forêt comme un projet agricole, notamment lors de l'achat d'une maison avec un grand terrain agricole qui est préemptable. Donc il y a un bout de réponse avec Thomas qui parle de la forêt de Higas dans le sud, qui a réussi à faire à créer une case forêt comestible à la Chambre d'agriculture. Mais peut-être Voilà. que voilà. Ouais, vas-y. Ce que je dirais, c'est que la SAFER, elle va pas se baser sur votre projet, elle va se baser sur vos formations déjà. Celui qui va pouvoir préempter le terrain, c'est celui qui aura le plus de formation. Et puis, si éventuellement le jardin-forêt pouvait jouer un petit peu dans le deal, c'est est-ce que sur votre jardin-forêt, il y a vraiment un projet agricole, de production agricole? Et là, ça peut peser un petit peu. Si c'est un jardin-forêt d'agrément juste pour être autonome en alimentation, ce n'est pas un projet agricole, ça ne marchera pas. Mais encore une fois, la SAFER se base plutôt sur vos formations que sur votre projet. Peut-être qu'il faut mettre de côté le terme de jardin et parler d'agroforesterie, et c'est plus voilà. Ouais, pour la SAFER, ça leur parlera plus, ouais. Alors, il y a de nouveau plusieurs questions sur la formation. Il y a Rémi et Lauriane et Goth qui demandent, peut-on profiter de la formation si on n'a pas encore de terrain pour pratiquer? Et où est-ce que c'est mieux de s'inscrire quand on est prêt à démarrer son projet? Ça sera très frustrant si vous n'avez pas de terrain. Ça sera intéressant, vous allez apprendre plein de choses, mais vous allez être frustré de ne pas pouvoir expérimenter. Mais moi, alors, là, je peux peut-être répondre à titre perso sur ce sujet. En fait, je pense que le fait de suivre la formation, ça peut aussi vous guider dans le choix du lieu et du terrain dans lequel vous allez implanter un jardin-forêt. Donc je dirais que les deux vont quand même un peu ensemble, recherche de terrain et quand même se former et approfondir le jardin-forêt. Donc je pense que ça se réfléchit quand même et je pense que ça serait. Ouais. Ça sera tellement frustrant que vous Ça aurez peut envie permettre. d'acheter un terrain très très vite. Permettre de préciser le projet, mais c'est vrai que ça va vous donner envie de passer à l'action. Ouais. Voilà, il y a Lauriane qui demande est-ce que l'intégration des animaux dans le jardin-forêt est abordée dans la formation? Alors, on l'aborde un peu, c'est pas central, mais on l'aborde un peu. On l'aborde un peu les poules, les cochons, les abeilles. Voilà, on l'aborde. Voilà, on le mentionne. On a quelques, on a un, il y a un chapitre qui est dédié à ça. Il y Ça fera a partie des sept. choses qu'on pourra rajouter et agrémenter un peu par la suite. Hein. Ouais, ça donne des idées. Il y a Yeah. Cédric qui demande si créer un jardin-forêt partagé serait possible et viable, selon vous. Alors, possible, oui. Viable, qu'est-ce que tu entends par viable? Bah, j'imagine, économiquement, j'imagine. Économiquement, ben, ça dépend de la taille et de qu'est-ce que vous y produisez. Sur un jardin, si on pense que sur un jardin de 2, allez, 1000, 2000 mètres carrés, on peut déjà être rentable et déjà avoir. On peut, alors je ne sais pas, sur les surfaces minimum pour avoir quelque chose de rentable, parce que j'ai eu des retours. Mais si on peut estimer que sur 1000, 2000 mètres carrés, tu peux être autonome, toi, ben, si tu prends 3 ou 4000 mètres carrés, ben, tu peux être autonome pour deux familles. Financièrement, je veux dire, après, encore une fois, ça dépend comment tu rentabilises tes productions, qu'est-ce que tu sors comme production. Sur une même surface, tu peux faire des fruits, tu peux faire des légumes, tu peux faire de l'apiculture, tu peux faire de l'accueil pour faire de la formation, tu peux faire de la pépinière et produire des plantes à côté. Tout ça sur une même surface, tu peux avoir plusieurs projets qui se chevauchent. Donc oui, bien sûr, c'est même beaucoup plus intéressant. Enfin, moi, je vois l'énergie que vous avez, vous, aux alvéoles, le fait d'être plusieurs sur un projet, chacun est un petit peu sur son pôle, et puis le fait qu'il y ait des interactions, c'est hyper productif. Moi, là, depuis que je travaille tout seul au Jardin des Merveilles, j'en fais beaucoup moins qu'avant. Je pense qu'à plusieurs, on peut être encore plus rentable, du coup. Nous, le premier projet sur lequel je me suis investi, c'était un jardin collectif en ville qui faisait 1000 mètres carrés. Et au début, on a commencé en jardin assez classique à vouloir faire du potager. Et plus ça allait, plus on a densifié en fait en arbres, en arbustes. Et ça s'est transformé en une sorte de petit jardin forêt qui pourrait être encore un peu plus dense. Mais
Finalement, naturellement, sur le projet collectif, on a eu plus de facilité à gérer les plantes vivaces et à avoir une structure pérenne que d'avoir de la réussite sur les semis, les jeunes plants, la partie potager sur un sol qui n'était pas encore très riche. Donc, moi, je pense que c'est un jardin qui se prête très bien au projet collectif. Parce qu'il y a une certaine pérennité, il y a une structure, voilà. Mais on va l'organiser encore une fois un peu autrement. Typiquement, quand c'est collectif, on va avoir des chemins plus larges, on va avoir une manière beaucoup plus claire d'organiser les plantes. On va rassembler les plantes pour les cultures beaucoup plus, parce que finalement, il faut que ce soit très clair. Si pour chacun, au niveau de l'entretien, de la culture, de la récolte, là où si c'est mon jardin ou ma petite parcelle, ben je suis capable de connaître là où sont cachées toutes les plantes, d'aller les bichonner. Dès que ça devient collectif, il faut vraiment avoir une structure beaucoup plus lisible pour en profiter. Alors les amis, je ne vais pas vous faire peur, mais on a beaucoup de questions. Là, on est en train de... Il y a beaucoup de questions dans le chat. Donc, je vous invite vraiment à partir de maintenant à essayer d'avoir des réponses assez courtes. Peut-être pas à prendre tous les deux la parole, peut-être un des deux. On commence avec Anne. J'envisage d'implanter des porte-greffes en racines nues cet automne pour greffer plus tard. Mais jusqu'à combien de temps après peut-on greffer? Donc, sous-entendu, pas forcément au printemps suivant, faute de greffons ou de fonds dispo. Aucun souci. Aucun souci. C'est trop bien. Là, on Ok, a greffé au d'accord. printemps. Au printemps, là, on a greffé sur des pruniers et des poiriers sauvages qu'on avait laissés pousser et qui avaient 5-6 ans. Et on a des super pousses là qui font 1,50 m, 2 m de haut. C'est les meilleures pousses. Franchement, on a été vraiment impressionnés cette année de la réussite. Donc Ok. oui, aucun souci. Alors bien sûr, si le tronc est comme ça, au bout de 10 ans, ça va être difficile. Mais il y a 3, 4, 5 ans sans problème. Sarah demande quel diamètre d'arbres à la plantation sont idéales. Est-ce qu'il faut planter des baliveaux? Est-ce que vous préconisez les plants locaux? Oui. Et je dirais, moi, les arbres le plus petits possible, hein, des surnes de 1 an, 2 ans maximum, c'est là où tu auras le meilleur rapport, le meilleur équilibre entre la taille des racines et la taille du système aérien. Donc, des arbres le plus jeunes possible. Planter des arbres trop gros en jardinerie, ils vont te dire c'est bien, tu auras des fruits plus rapidement, mais tu auras un arbre qui ne sera pas équilibré. Donc, voilà, des arbres le plus jeunes possible. Et du plan local, si possible, oui, c'est toujours mieux. Yes. Moi, j'ai une petite nuance là-dessus, mais Vas-y. nous, on a vu que dans les parcelles qu'on ne pouvait pas arroser, qui étaient vraiment difficiles, bah, finalement, contre ce qu'on pensait, eh ben les gros arbres qu'on a plantés, qui avaient traîné dans la pépinière, on avait plus de réserves pour tenir et s'implanter que des petits qu'on a perdus. Donc il y a Ah ouais. des petites variantes des fois, mais de manière générale, je partage complètement ton point de vue. Et plus ça va, plus. En fait, cet après-midi, j'étais encore en train de faire des récoltes de noyaux de pêche. Et plus ça va, plus on part du noyau et du pépin. Et je vous invite à faire ça. Top. Complètement, ouais. Forêt comestible de la Manche, qui, outre le fait de nous informer sur le résultat du match de rugby, s'intéresse aussi aux questions de paillage. Faut-il utiliser plutôt du miscanthus, de la tonte de gazon ou des copeaux de bois? Les trois? Les trois en lasagne. Non, mais je dirais, plus tu rajouteras de matière organique, plus tu rajouteras de paillage, plus ça sera intéressant, et plus il sera carboné, plus il tiendra longtemps. Donc de la tonte de gazon, c'est génial si tu en as, mais il va falloir que tu en remettes un mois après. Du broyat de bois, tu peux en mettre une fois par an, voire une fois tous les 2 ans, ça tiendra. Donc moi je dirais, fais avec ce que tu as à portée de main, et puis fais en sorte qu'il y en ait toujours sur ton sol. Donc selon ce que c'est, il tiendra plus ou moins longtemps, il faudra en rajouter plus ou moins rapidement. Mais fais avec ce que tu as à portée de main. Et plus c'est carboné, plus c'est intéressant pour la matière organique du sol quand Tant qu'il n'y a pas trop de légumes autour, on peut se passer. Voilà, les légumes, c'est vrai qu'on fait toujours très gaffe au rapport carbone-azote. Là, sur des plantes ligneuses, on peut se permettre plus de carbone. Mais surtout, moi, je dirais, c'est pas tant il faut surtout en mettre épais. Voilà, nous, les erreurs qu'on a faites, c'est quand on a mis pas assez épais parce qu'on a voulu étaler la matière. Des fois, on avait quelques remorques de matière et puis on l'a étalé, on a mis 3 cm de partout et là, c'est comme si on n'avait rien fait. Il vaut mieux faire comme ils ont fait au bouchot, en mettre sur 20 ou 30 cm si c'est possible, si vous l'avez, et avancer progressivement, il y aura des meilleurs résultats.
Ok, alors je vais passer, je suis désolé Thibaut, je pense que enfin, on a abordé la question de la surface du jardin-forêt en intro de cette soirée et on ne peut pas t'en vouloir parce que ça a été chaotique ce démarrage de soirée. Tu vas pouvoir voir, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir regarder le replay où on a abordé ta question. Les salles de bain de Nathalie, j'ai un projet en Cévennes Sud, mais j'habite pour le moment à Paris et je vais dans ce lieu un week-end par mois. Est-ce que ça a du sens de faire la formation maintenant? Mais comme on disait tout à l'heure, oui, hein. À Tu vas fond, à déjà fond. commencer à accumuler des connaissances, c'est intéressant. Ouais, il y a pas mal de gens qui font ça sur des lieux où ils vont habiter plus tard. Voilà, et juste, bah, c'est pareil, tu mettras pas toutes les plantes dès le début et il faudra avoir une stratégie adaptée et tu vas pouvoir récolter. Voilà, et tu peux commencer à semer dès maintenant tous tes porte-greffes. Ça sera adapté. Mais voilà, il faudra le faire comme un jardin que tu peux visiter que 4, 5, 6 fois dans l'année. Je sais pas combien tu vas dans ta Une maison, fois mais. par mois, une fois Une par fois mois. par mois, j'avais pas bien écouté. Ok, bah une fois par mois, oui, tout à fait. Ok. Avez-vous des idées de choses rapides et intéressantes à faire en anticipation avec une mini-pelle en 2-3 jours en dehors de la création d'une mare? Merci pour tout ce que vous partagez. C'est Adrien. Dessoucher, arracher des racines sur les zones où tu as trop d'arbres qui sont en place, des prunelliers qui sont en place. Et si tu as. Ouais, ça dépend de l'outil que tu as au bout. Hein. Des fois, tu peux mettre juste une griffe au bout pour arracher un peu des racines. À la main, on se casse le dos à faire ça, donc pourquoi pas. Si tu as des arbres ou des endroits où tu veux planter des arbres, fais tes trous de plantation, déjà, ça peut être intéressant. Tu as d'autres Ok. idées, Antoine? Oui, les baissières éventuellement, ça dépend du projet en fait, du besoin en eau, il faudrait dessiner le projet pour voir. Mais méfiance quoi, des fois il vaut mieux la laisser au repos et ne pas s'en servir que de mal s'en servir. Il y a des endroits où la mini-pelle, on aurait mieux fait de ne pas s'en servir aussi, on a vite fait de faire des bêtises, donc si vous savez précisément ce que vous faites, c'est bien, si, voilà. Sinon c'est pas forcément nécessaire. Yes. Des histoires de doigts croisés pour Lauriane. Il y a Franck qui veut savoir si cette proposition de formation est adaptée pour un projet déjà commencé. Il a un jardin forêt d'environ 1 an. Moi, je dirais que oui. Après, encore une fois, ça dépend du niveau que tu as et est-ce que tu as envie d'acquérir encore d'autres connaissances? Moi, je pense que si tu te poses la question, c'est que c'est adapté. Si tu ne te la posais pas, c'est pas sûr. Il y a Moi, Rumi. je l'ai faite il y a deux. Qu'est-ce qu'on disait? Il y a 2 ans de la formation. Hein. Donc, il y a 2 ans, ça faisait 13 ans que j'avais commencé. Et je l'ai trouvée Ah très ouais. intéressante. Il y a Rumi d'ailleurs sur la formation qui demande comment ça se passe concrètement, quel est le rythme, l'investissement en temps. Est-ce que ce sont des vidéos à visionner, puis des webinaires tous les 15 jours? C'est ça, hein? Il y a Ouais, vidéo et texte. Hein. C'est des vidéos à visionner à son rythme, où il y a moyen de télécharger les audios si on veut les réécouter. Bon, il y a des textes et après il y a des parties où il y a des petites choses à faire en fait, des dimensionnements et après petit à petit plus on avance plus on va vous inviter à dessiner en plan, en coupe, voilà, à faire des listes de plantes, etc. Donc l'idée c'est de suivre les vidéos et puis après derrière d'appliquer un peu à votre projet ou à un projet que vous avez à côté de chez vous. Alors, grâce à Outil, tu me pardonneras si j'ai mal prononcé ton prénom, on a un lien vers la forêt alimentaire Scheindel, voilà, avec super, merci à toi, sur un projet de 20 hectares répartis sur 2 sites. Voilà, donc c'est hyper intéressant, merci, on va aller explorer ça. Il y a Élise qui dit, je me laisserai peut-être tenter par la formation, le suivi de Rémi me branche bien pour être sûr de ce que je veux créer. Voilà, j'ai compris pourquoi on croisait les doigts, c'est parce qu'il y a Lauriane qui dit qu'elle attend une réponse demain pour un terrain. Voilà, donc tout le monde envoie des good vibes pour que ça marche. On croise les doigts pour que ça marche pour toi. Est-ce C'est que chouette. Sam, Ouais. pardon, si tu avais fini, est-ce que je peux me permettre de Vas-y. répondre à une question que je viens de voir là? Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce que des trognes à exploiter dans un jardin forêt, c'est compatible? Oui. Si tu veux rajouter quelque chose, Antoine, ou. On vous disait en début de présentation, on vous disait que la lumière c'était important chez nous et en même temps on veut des arbres donc c'est un peu schizophrène comme truc. Et la trogne c'est un super moyen de ramener de la lumière, voilà, que les racines de la trogne libèrent des. Enfin, en fait, que la trogne abandonne des radicelles, que le sol soit nourri au plus proche de l'arbre
À fond, c'est un moyen, c'est une pompe à minéraux, ça permet de créer de la matière organique, c'est très compatible. Ça permet d'y faire pousser des plantes grimpantes. Il y a des systèmes ancestraux voilà, qui associent des grimpantes avec des arbres en trogne, notamment de la Ouais. vigne. Du Donc, coup, à fond. François a introduit la notion de cernage, dont peut-être on pourra expliquer ce que ça veut dire de cerner les arbres. Cerner, c'est l'idée, c'est de conduire, de couper les, de, en fait, en pépinière, on cerne les arbres. En fait, souvent, on coupe les racines quand elles sont jeunes pour les inviter à se ramifier et à descendre un peu pour pas s'étaler trop. C'est quelque chose qui est fait aussi par les agriculteurs dans les champs quand il y a des lignes d'arbres en agroforesterie pour éviter que les arbres y mettent leurs racines trop loin dans le champ. Et c'est des choses que les arbres font naturellement quand ils rencontrent d'autres racines aussi. Yes. On limite le système racinaire et on l'invite à descendre. Je réponds directement à Héro qui nous parle des amélanchiers qui apprécient les sols plutôt humides et riches. En fait, aux alvéoles, on n'est pas du tout en sol sableux et drainant. On est vraiment en sol argileux et bien lourd. Donc voilà, comme ça. Parce que voilà, sinon il y avait un peu Ça un dépend les quiproquo. amélanchiers aussi. Il y a la mélanchier à feuilles d'aulne qui va plutôt préférer les sols un peu plus légers et pas trop calcaires. Et la mélanchier du Canada qui va les supporter. Et la mélanchier à feuilles ovales qui va adorer les sols calcaires et lourds. Donc ça dépend les variétés. Alright. Allez, je Alors, laisse. est-ce que... ouais. Il y a François qui demande est-ce qu'on travaille sur des équivalences, sur des formations diplômantes plus classiques ou reconnues, avec des guillemets. Vaste sujet. Ouais, voilà, c'est des trucs qui nous ont animés, qui sont Ah, dans les cartons, mais c'est pas d'actualité tout de suite. C'est compliqué en France. ouais. Mmh. Peut-être un Yes. jour. Guillaume, quel conseil pour démarrer une forêt-jardin dans une forêt de grands chênes qui font 10-20 mètres sur un sol peu profond, fortement calcaire? Tu Vas-y, peux Antoine. pas choisir les arbres que tu vas abattre. Voilà, coucher les arbres que tu vas abattre ou les branches qui te restent de manière judicieuse dans la pente pour retenir la terre, l'érosion. Peut-être y mettre des animaux pour ramener de l'azote parce que là c'est voilà il va falloir changer, il va falloir perturber le sol en fait. Les forêts de chênes elles ont atteint un tel équilibre que ça s'est même éloigné au niveau du sol. C'est Marc-André Sellos qui m'a sensibilisé à ça. Ça s'est éloigné du milieu des plantes qu'on cultive souvent dans les jardins forêts, des rosacées, des plantes de lisière, des plantes de lumière. Et en fait, ce n'est pas qu'au-dessus que ça a changé, ce n'est pas qu'au niveau des plantes, c'est aussi au niveau des bactéries. Donc il va falloir perturber, sortir peut-être des souches, parquer des poules ou des cochons, semer des engrais verts et refaire de la lumière. Ça va pour toi? Alright. Super. Léon qui demande quel serait le matériel de base à acquérir? Antoine parlait tout à l'heure de la protection des arbres. Matériel pour la protection des arbres? Bah, tout à l'heure, tu as évoqué un peu ça, que ça, on pouvait, on vous a parlé du budget, qu'il pouvait y avoir quelques dépenses un peu pour protéger les arbres. Alors, ouais, par rapport à ça, moi j'ai dû installer une clôture électrique pour me protéger des chevreuils, ouais. Et Ok. nous, on a installé une clôture électrique et vu qu'il passe encore à travers, et ben, on a encore mis du grillage autour de certains jeunes arbres, notamment des pommiers. En fait, chez nous, ils vont à fond sur les. Ils mangent les feuilles de pommier, ils mangent les écorces de cognassier, enfin, il y a des trucs comme ça. Et donc, les jeunes pommiers, là, qu'on a greffés, ils se font dévaster. Bon, voilà, donc on a protégé certains arbres dans le jardin forêt. La protection, ça va être important. Après, bah, peut-être le système d'irrigation, ça dépend où vous êtes. Ça dépend si vous avez suffisamment d'eau dans votre sol et dans votre climat, ou si c'est un facteur limitant pour vous. Et dans ce cas-là, le système d'irrigation, ça va peut-être être la base, quoi, le premier budget à trouver. Ouais, récupération, stockage d'eau et protection contre les animaux, ouais. Ouais, le système d'irrigation, nous, je vois on a un jardin qu'on a fait complètement sans arrosage et on a installé l'arrosage sur un des jardins avec un arrosage automatique. Et bah, en fait, en 2 ans, on a pratiquement rattrapé le on a, on est pratiquement au niveau de 50 jardins sans arrosage. Voilà.
Martine nous dit moyenne montagne, terrain caillouteux, exposé plein sud et au vent dominant, avec pas d'eau à proximité. Est-ce que c'est réaliste de vouloir reforester ou planter quelque chose pour éviter l'érosion? Si t'as pas une petite ressource en eau, au moins pour pouvoir arroser à la plantation, après on peut faire des choses sans arrosage, sans entretien d'arrosage derrière, ça sera plus long, mais il faut au moins pouvoir arroser un peu à la plantation. Si t'as pas un minimum d'eau, et encore, avec des semis directs, à la limite, tu pourrais. Ouais, il faut commencer par régénérer. Je pense qu'effectivement, il faut semer en direct à fond. Mais ça va être lent. Ça va être lent. Il y aura peut-être une phase d'abord de préparation. Vraiment, enfin, il va falloir installer des plantes qui ne seront pas forcément comestibles ou qui ne produiront pas beaucoup. Mais je pense que ça vaut le coup, en tout cas, de régénérer ces terrains-là aussi. Mais attention à pas mettre trop d'attentes ou pas avoir besoin d'avoir une production trop rapide sur ces terrains-là, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Yes. Les amis, il va y avoir des frustrés parce que je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent et voilà, je pense que je prendrai plus de nouvelles questions à partir de là. On va finir de par répondre à celles qui ont déjà été posées. Il y a notamment cette question de Marion. Bonjour, par quoi commencer pour créer sur un champ où il n'y a rien? Je suis dans le Tarn aussi, pas très loin de chez Rémi, donc c'est assez sec. J'ai envie de Installer dire, des arbres. il faut suivre la formation là pour avoir toute la méthode sur comment d'abord analyser ton contexte, ton climat, le vent, le soleil, ensuite faire ta palette végétale, etc. Là, il y a tout le travail à commencer par le menu. Mais si tu veux être sûr, regarde, observe l'endroit qui est le plus propice pour commencer avec de l'observation, protégé du vent, un peu plus humide, un petit endroit, et tu commences déjà par occulter le sol pour virer les graminées du pré et nourrir un peu le sol dessous et se préparer un terrain pour semer et observer comment ça passe. Comme ça, le temps de suivre la formation, tu auras déjà un premier terrain d'observation et les premières pistes. Commence à gratter un peu pour voir comment ça réagit. Et puis après, il va falloir trouver une stratégie pour. Dans les prairies, le plus compliqué, c'est de dépasser le stade de l'herbe pour avoir un couvert végétal qui ne soit pas des graminées, qui ne soit pas trop concurrentiel. Ça va être l'enjeu principal pour toi. Mais il faut voir par où tu commences. Alors Amélie demande comment concilier jardin-forêt et élevage d'animaux. Alors ça, moi, je le fais chez moi. Il faut juste avoir des zones où tu vas pouvoir séparer, compartimenter. Moi, j'ai des zones, les zones potagères, la serre où j'ai mes productions de plantes et les zones potagères où j'ai des paillages. Là, normalement, les poules, ils vont pas trop. Les canards, les oies pourraient y aller, mais vu qu'elles restent toujours toutes ensemble, personne n'y va. Et après, il y a des zones, moi, j'ai la zone où elles sont la plupart du temps. Ça arrive que je les fasse sortir, mais la zone où elles sont la plupart du temps, mes volailles. C'est un jardin-forêt aussi. Et là, pour le coup, quand je vais faire des plantations, je vais peut-être juste protéger quelques jours l'endroit que je viens de planter. Et puis ensuite, juste ben, pas de paillage, pas de semis direct dans cet endroit-là. Mais une fois que les plantes sont en place, j'y mets des plantes fruitières pour que ça puisse nourrir les volailles en dessous, des plantes à brouter pour les canards et les oies qui ont plutôt tendance à brouter. Et il y a moyen de faire une interaction. Et je trouve ça même super intéressant de voir. Avec ce contexte-là, on a des poules qui grattent, on a des oies et des canards qui broutent les herbes, qui piétinent un peu avec leurs pattes palmées, là. Ben justement, avec ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut réussir à mettre en place? Mais c'est possible. Et il y a des endroits où j'ai un exemple, un Paulownia, que j'ai mis il y a 3 ans, qui fait, allez, 4 mètres de haut. Et ailleurs, hein, un endroit très sec, pas trop entretenu. Et dans la basse-cour, le même, pas arrosé, mais avec les volailles autour. C'est sa deuxième année, il est déjà à plus de 4 mètres de haut. Donc, avoir des animaux, c'est pas forcément gênant. Bien au contraire, même pour certaines plantes, parce que c'est nourri par les déjections des animaux. Les herbes sont broutées, les limaces sont régulées par les canards. Enfin, ça peut être très intéressant. Yes, super. Et ben voilà, je crois qu'on se rapproche tout doucement de la fin de cette soirée. Merci à tout le monde, ben voilà, d'avoir été présent, d'avoir survécu aux difficultés techniques, voilà, depuis le début de la soirée.
et de nous avoir accompagnés jusqu'à cette heure-ci. Je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de partager un petit mot de la fin? Nous, on va peut-être partager avec Kevin les liens pour celles et ceux qui les auraient loupés, notamment l'accès à la base de plantes, le lien vers la formation en ligne qui va démarrer. On enverra je pense, demain matin le replay à toutes les personnes qui s'étaient inscrites pour ce soir. Et puis le replay sera aussi, enfin, il y aura un lien sur la chaîne de Rémi et sur la Plantothèque. Voilà. Je vous laisse la parole peut-être pour un dernier mot à tous les deux. Bon, moi, le mot, c'est allons-y. Il y a pas à attendre, en fait. Attendez pas d'être des experts, des ingénieurs ou voilà, attendez pas à côté du jardin pour voir le train passer. C'est maintenant, en fait, qu'il faut planter. C'est maintenant qu'il faut retenir l'humidité. C'est maintenant qu'il faut planter les arbres pour les générations qui vont suivre derrière. Donc, allez-y. N'ayez pas peur de faire des erreurs. On en a fait plein. On essaye d'éviter que vous fassiez exactement les mêmes que nous. Mais je pense qu'il faut y aller. L'automne est bientôt là. Vous allez pouvoir planter. Vous allez pouvoir faire stratifier vos noyaux. Il y a vraiment besoin qu'il y ait des jardins forêts de partout, qu'ils soient petit à petit mis en lien par les oiseaux migrateurs, qu'on recrée un peu une trame qui soit vraiment vivante. Moi, c'est ça qui me tient à cœur. Voilà, si les outils qu'on vous propose, ça peut vous aider, eh ben, tant mieux. On est là pour vous aider. Si vous vous lancez tout seul, eh ben super, partagez-nous vos expériences. C'est voilà, il faut pas avoir peur, il y a aucun risque en fait. Vous allez pas mourir, il va rien se passer. Vous risquez juste d'avoir un peu plus d'arbres autour de chez vous. Ouais, bah pareil, hein. Du coup, moi c'est vraiment pareil. Planter, commencer à planter le plus vite possible. Attendez pas d'être sûr d'en savoir assez. Comme on a dit pendant le webinaire, là, essayez de pas commencer trop gros parce que ça c'est le meilleur moyen de se dégoûter et de croire qu'on n'est pas bon. Commencez tout petit. Le fait de commencer petit, ça vous gardera la place pour faire d'autres tests à côté. Et n'ayez pas peur de vous planter parce que de toute façon vous allez vous planter, mais vous allez apprendre en faisant. Et c'est garanti que plus vous allez vous planter, plus vous allez apprendre, plus vous allez savoir, moins vous allez planter, mais plus vous allez avoir envie de tester des nouvelles choses. Du coup, vous allez à nouveau vous planter. Moi, ça fait 15 ans que je me plante et plus je me plante, plus j'ai envie de continuer à essayer de découvrir comment ça marche. J'ai envie de vraiment de comprendre le truc parce que c'est quand même vraiment quelque chose qui est passionnant. À un point que vous imaginez pas, quand on parle de toutes les différentes possibilités de production qu'il y a au jardin forêt, on en a cité quelques-unes, mais il y en a encore plus. C'est vraiment quelque chose de passionnant. Donc, allez-y, vous le regretterez pas. Plus je plante et Génial. plus je me plante et plus je pousse. Super, merci. Ouais. Et ben, on va s'arrêter là pour ce soir. On vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour celles et ceux qui veulent voilà, démarrer cet accompagnement avec Rémi. Il y aura aussi pas mal d'infos pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés à la lettre d'infos des alvéoles. Vous pouvez aller sur notre site, vous abonner. On va vous envoyer des infos puisqu'il va y avoir, comme Antoine l'a dit, encore voilà, une grosse actualité d'automne avec notamment le festival, la troisième édition du festival en ligne du Jardin Forêt. Avec encore plein une belle programmation et puis des rencontres aussi sur le terrain. Ce sera la nouveauté de cet automne. Et notamment chez Rémi, Ouais. le 4 novembre. Voilà, donc vous pourrez, pour les Tarnaises et les Tarnais, profiter de cette journée. Merci à pour vos retours. Voilà, super énergie. Merci, merci, nous dit Arnaud, un tel enthousiasme. Voilà, c'est trop bien d'avoir tous ces. Tout, voilà, ça nous fait chaud au cœur. Et puis voilà, à une prochaine. Profitez bien. Ouais, si vous avez de toute façon des questions par rapport à tout ce qu'on a évoqué ce soir, notamment la formation, le cycle d'accompagnement, etc., vous pouvez aussi envoyer un mail. Vous pouvez envoyer un mail à université@alveol.fr, université sans accent, @alveol au pluriel et sans accent.fr. Voilà, et comme ça, on vous répond, on vous donne toutes les infos. Salut, bonne soirée, salut Antoine, salut Merci Rémi. Sam, merci Et à Kevin, merci à à toute très, l'équipe, très, merci Rémi pour l'accueil. Allez, super, à à très bientôt, la salut, bientôt sur la ciao. formation ou ailleurs. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.